Bonsoir YouTube, comment ça va? Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Oui, voilà, donc ce que j'allais dire sur le live avant de lancer l'enregistrement, mais je me suis dit ça vous concerne un petit peu, vu que vous êtes à suivre mes séries sur YouTube. Nous sommes sur le deuxième épisode de Bus Simulator. Nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs, on va faire l'éphéméride au passage. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 janvier 2019, c'est le quatrième jour de l'année. Il en reste encore 361 avant qu'on passe en 2020, il y a le temps. Et en fait, ce soir, les Odilon, ainsi que les Robert et les Rigobert. Voilà. C'est pas Dagobert, c'est Rigobert. Voilà, bah bonne fête à tous ceux qui s'appellent comme ça et j'espère que vous le vivez bien du coup parce que ça doit être compliqué à vivre. Et bienvenue à Pukitos, notre nouveau copain! Merci beaucoup très cher, tu es le 102e follower. Merci beaucoup. Encore. Une très bonne année à toi, Aaron. Merci de regarder le live avec Kikinette Jolie. Alors, on va jouer à Bus Simulator, ce deuxième épisode. Donc oui, j'allais dire pour ceux qui suivent un petit peu les séries sur YouTube. Yeah! Merci beaucoup! Toujours pas la notif. Ah oui, mais on n'est pas sur le bon écran. Il n'y a pas les notifs sur celui-là. Alors, la tradition pour ceux qui connaissent pas, tout le monde danse. Lorsque quelqu'un sub la chaîne, merci beaucoup. Merci pour les follow et merci à The Mister T, pardon. J'ai dit quoi? C'est The Mister T. Merci beaucoup pour ton Twitch Prime, ça fait super plaisir. Un nouveau super copain, c'est très gentil. Tu remportes du coup au passage 5000 pépettes pour ton abonnement à la chaîne. Félicitations, merci beaucoup. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous voulez pas me laisser parler en fait. J'étais en train de dire que du coup, pour ceux qui suivent les séries sur YouTube, on a arrêté la série Planète Base. J'ai arrêté un petit peu en rage quit. J'étais pas de très très bonne humeur, ça s'est senti, je l'ai senti au montage. Ça se ressent un peu sur le let's play, je suis un peu déçu, mais bon, je l'ai publié quand même. J'allais dire, il y a des jours avec, des jours sans. Bah là, c'est un jour sans. Et puis, ça m'a saoulé, donc j'ai dit, vas-y, on arrête la série là-dessus. Donc, on pourrait reprendre une série sur Planète Base. J'adore jouer à ce jeu. Sauf que là, j'en avais marre de reprendre. À chaque fois, il y a des morts. À chaque fois, il y a des trucs qui vont pas. Ça me saoulait. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai prévu de lancer une nouvelle série à partir de la semaine prochaine sur Craft the World. Donc, c'est pour ça que j'y ai joué un petit peu aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous avez pu le voir. Et ils ont ajouté quelques améliorations au jeu qui sont plutôt sympathiques. Et j'ai hâte de pouvoir commencer le tournage. Donc, et bien, bienvenue à tous. On va attaquer dès maintenant. C'est parti, le live Bus Simulator. Si je retrouve ma scène, elle est là. Let's go! Et voilà, The Mister T, tu es affiché dans la bonne colonne. Je vérifie quand même que ça fonctionne. Alors, je suis désolé, on n'a pas eu ton animation. Je vais essayer de la remettre. Alors, pour tous ceux qui connaissent pas, je vous rappelle que vous devez. La notification dure 15 secondes. Vous devez danser pendant 15 secondes. C'est obligatoire, peu importe avec qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. Vous devez danser, c'est la règle. Comment je fais? C'est là. Un super copain, quoi. Carrément. Vous êtes fou. Alors, c'est comment? Dernier sub. Est-ce que ça marche? Yeah! Eh ben non, ça marche pas. C'est super. Merci Streamlabs. C'est nul. En plus, je m'embête du coup à ouvrir une fenêtre Streamlabs. Oh, va falloir que je règle ça. À chaque fois, ça bug, ça me saoule. Bon, bah, du coup, je la ferme. Ça sert à rien qu'elle reste ouverte si ça marche pas. Alors, toutes les autres notifs fonctionnent sauf celle-là. Donc, bah, je vais peut-être remettre les anciennes notifs. Elle restera pas affichée 15 secondes, mais au moins, elle restera affichée.
Je reverrai ça. Ok. Allez, Fate & Co, chargez la société. Alors, je rappelle à ceux qui viendraient d'arriver, ou à ceux qui arrivent et que ça intéresse, que je suis actuellement en train de jouer avec le volant Logitech Driving Force G29. Et que je vais faire le tirage au sort pour les pépettes. Alors, 2 x 27 000 € à gagner. J'espère que vous avez fait point d'exclamation moi dans le chat. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse une petite chance de pouvoir les gagner. Non, 27 000 pépettes. En euros, ça fait à peu près zéro. C'est bon, t'as fini de parler, tu me laisses tranquille. Merci madame. Des pépettes gratuites. Allez, tirage au sort terminé. On va faire le tirage. Attention, tirage, une personne. Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. Pookie! Félicitations, très cher. Je vais te créditer immédiatement de 27 000 pépettes. C'est AD. Ah, c'est pas PU. Comment j'écris ça? Oui, c'est ça. P-U-C. Ah, il veut pas. P-U-C-K. Ah, si. Nickel, la chance du débutant. Bah oui, comme ça au moins tu... tu progresses. Alors, j'ai... je vais peut-être pas le rappeler à tous les lives, mais là, je suis parti pour le rappeler, donc c'est parti. J'ai promis à celui qui atteint 1 million en premier, et on va faire un petit rappel du classement, que je lui offrirai un vrai cadeau. Chose qui n'a toujours pas changé, je ne sais toujours pas quel cadeau je vais offrir à celui qui va atteindre les 1 million de pépettes. Deuxième tirage pour 27 000 pépettes, Chissé. Félicitations Chissé, je crois que c'est toi le premier d'ailleurs. C'est Ad TCA Chissé. 27000. Et je vais supprimer les comptes. Et non pas démarrer la calculatrice en vérifiant qui est le premier. Un petit classement des pépettes et après on joue. Parce qu'il y a des enfants qui nous regardent et que les enfants ça s'impatiente. Alors le premier c'est Chissé avec 464 680 pépettes et encore. Il a fait une bonne action ce soir, il a fait un host je crois. Donc je réactualise ma page, 464 680 toujours. Ok, ensuite on a Lordiane avec 283 125 pépettes, suivi de Nassim avec 278 855, suivi de Kikinette Jolie avec 275 531, suivi de Tête de FFZOS du Petit Kilou avec 121 104, suivi de Ghost et de Burkix qui a encore 91 000 pépettes. 655 pépettes à distribuer au public, aux copains, pardon, suivi de Svet, suivi de plusieurs autres personnes. Bien évidemment, je ne vais pas faire tout le classement. Alors t'inquiète, Puki, hein, ça monte relativement vite. Déjà, tu as eu 1000 pépettes pour ton follow. Il y a eu, voilà, il y a 1000 pépettes à chaque fois que quelqu'un hoste la chaîne. Il y a également 1000 pépettes si tu mets un, un petit abonnement sur la chaîne YouTube pendant un live. Parce que normalement, si Streamlabs fait son boulot, j'ai une notification d'abonnement de chaîne YouTube. Alors ça marche pas toujours, la semaine dernière ça fonctionnait pas. C'est comme les alertes de sub, genre c'est l'alerte la plus importante à afficher sur le chat, mais elle s'affiche pas, c'est tout à fait génial. Si quelqu'un sait comment je peux régler ce problème, ça m'arrangerait carrément. Alors, bah voilà, merci beaucoup en tout cas, ça fait super plaisir. Et bah pour tous ceux qui connaissent pas trop la chaîne et qui arrivent,
Si vous mettez un petit follow, enfin un petit abonnement sur YouTube, c'est absolument pas obligatoire bien entendu, et qu'il n'y a pas de notification, bah pensez à le dire et éventuellement moi ou un modérateur pourra vous créditer de 1000 pépettes pendant ce live. Voilà, on y va. Alors là, la tâche qu'on avait à faire là était de transporter au moins 180 personnes, donc à mon avis on va y arriver vu qu'on est à 152. Tu viens de t'abonner, Svet. Ok, alors on va attendre de voir si ça marche. De toute façon, je pense que Burkix va pouvoir te donner 1000 pépettes maintenant avec la commande CA des Pagive. Hein. Parce que de toute façon, ça donne pas de pépettes. Ça va peut-être mettre une notif, mais ça donnera pas de pépettes, donc il faut les donner. Et puis voilà. Alors, 180 passagers, on est toujours sur la ligne 1. Commencer le trajet avec notre super méga trobobus blanc et vert. J'ai remarqué que le violet, ça lui allait bien aussi. Vert et violet, comme ça lui allait plutôt pas trop mal. Merci beaucoup. Allez, alors, 2 jours, démarrage rapide activé. Ok, on active la caisse. On désactive l'événement trop tôt parce que j'aime bien prendre le temps de rouler comme il faut, j'aime pas être pressé. Et en conduite simplifiée, bien sûr. Histoire de pouvoir vous parler en même temps, sinon je vais être trop concentré. Oh non! Un arrêt est en cours d'entretien, votre itinéraire a été modifié. Super, on va encore m'envoyer à l'autre bout de la ville, juste pour un arrêt. Ah, ça rame un petit peu. Allez, bienvenue à bord. Oh là 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 là. Ça a du mal là quand même. Monsieur roule en Mercedes, mais carrément... Comment je me la pète? Alors, premier arrêt, on a le temps illimité. Vous avez en bas à gauche le temps et la vitesse actuelle à laquelle je roule. Au premier arrêt, on a toujours tout le temps qu'on veut, donc je prends le temps de contrôler les passagers pour voir si ce ne sont pas des fraudeurs. Des fois, on a le temps, lorsqu'on a 30 secondes devant nous, un truc comme ça. On aura peut-être un peu de temps. D'ailleurs, avant que le chronomètre s'enclenche, je vais aller voir les paramètres. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours... Bah non, pour toi, on a mis... Qualité générale. On va mettre bas. C'est dommage quand même d'être obligé de baisser comme ça. Ça donne quoi si je mets bas? Oh, ça va, c'est pas trop dégueu. Dites-moi ce que ça donne chez vous. Est-ce qu'on a le choix de la qualité d'ailleurs? Bah ça, fallait me le dire avant, parce que si je relance le live, je vais passer 2 heures à faire un montage demain, juste pour coller 2 vidéos. C'est ton arrêt, oui, bah appuie pour descendre. Que du 720. Bon, bah j'espère que vous avez des bonnes connexions, sinon vous allez avoir un petit peu de mal à suivre. Alors sur YouTube, ils vont avoir de la chance, ils vont pouvoir régler la qualité comme bon leur chante quand ils verront la rediff. Thank you. Oh là là, ça ramait pas à ce point-là la semaine dernière. Oh là là, comment il a du mal. Personne prend de ticket, ils me font... Bizarre, ça. On n'a pas le choix de la qualité. Bah, tant pis pour vous. Désolé. Bah, si jamais vous avez trop de mal ce soir, on pourra redémarrer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que ça me fera perdre du temps demain. Parce que quand je fais une conversion sur mon logiciel de montage, en fait, je peux rien faire d'autre pendant ce temps-là. Parce que ça prend beaucoup trop le processeur. Et même si je laisse la vidéo dans le même format,
C'est ça qui est chiant, c'est que ça prend énormément de temps. Et que bah c'est toujours un peu plus rapide si je... C'est toujours un peu plus rapide si je fais rien en même temps. Et j'ai la suite de Oni à vous tourner demain. Allez. Tu peux appuyer sur tous les boutons, pourquoi faire? Personne prend de tickets, c'est pas normal. C'est pas grave, on n'a pas le temps de les contrôler. Un passager doit descendre, sérieux. Non, me spoil pas. Non, j'appuierai pas sur tous les boutons. Il faut collecter de l'argent dans le jeu si on veut avoir des super beaux bus après. J'ai du mal à... La qualité, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, ça fait dégueulasse là quand même. Mais ça rame pas. Je sais pas pourquoi ça... Est-ce qu'il y a un truc qui tourne en même temps? Je regarde quand même. C'est dégueulasse, bah tu m'étonnes. Non, je vais augmenter quand même, hein, parce que là ça craint. Au prochain trajet, parce que le chronomètre continue de tourner, donc là je peux pas faire ça maintenant. Personne descend? Ok. On dirait que tu joues à Bus Simulator 99. C'est ça. Non, mais la semaine dernière, ça marchait plutôt bien. On a fait un premier live dessus. Ça déconne un petit peu. C'est pour ça que j'étais passé en qualité intermédiaire. Et du coup... ça fait comme Hob en fait, c'est un jeu que je peux pas faire en live parce que... Et même pas en let's play, je pourrais même pas le faire parce que ça déconne trop. Au revoir madame. Mais oui, bloque la porte, t'as raison. Un ticket pour le monsieur. Allez, on y va. Nanananananananana. C'est bien, ils râlent pas les gens quand je fais ça. Personne ne vomit non plus. Ça sera peut-être l'objet d'une future mise à jour. Il pourrait peut-être aussi, pendant une mise à jour, optimiser un peu le jeu. Ça se pourrait. Prions. Pourquoi pas. 2,80€. J'ai toujours pas le temps de contrôler les gens. Faudrait essayer de le faire parce que bizarrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend un ticket aujourd'hui. À mon avis, il y a de la fraude. Parfaite position à l'arrêt, mais oui, c'est souvent. Hein. Et des fois, j'ai un agenouillement à l'arrêt. Ah bah si tu commences à jouer sur les mots. C'est la journée gratuite. Non, non, non. Ça tombe quand ça d'abord? C'est le jour de... C'est le jour de la fête du travail qu'on a le transport gratuit dans notre ville. Je sais même plus. C'est le jour de la fête des transports, en fait, je crois. Un truc du genre. Bye bye. Elle veut un ticket. Oui, bien sûr. Simple, normal, un seul. Non, mais sérieux, vous avez pas votre monnaie, là?
Allez, contrôle. Parce que là, c'est pas normal. Bonjour madame, vos tickets s'il vous plaît, monsieur. Et toi, t'as été te mettre dans le fond. Ah non, t'es à jour, ok. Pas... Dommage. On n'aura pas attrapé de fraudeur pour cette fois. Alors toi, tu me laisses passer, t'es gentil, merci, au revoir. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va aller beaucoup plus loin que prévu parce que du coup, on a un arrêt de bus qui est en travaux. Et on m'envoie à l'autre bout de la ville. Il est tout seul, le pauvre, mais oui. Ticket, oui, n'hésitez pas à prendre un ticket. Alors, ça coûte 100 pépettes, hein, attention. Les chances de gain sont de 3%. Et vous gagnez 10 000 pépettes plus toutes les mises qui ont été. Plus tous les tickets qui ont été perdus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un tape ticket, ça rajoute 100 euros à la cagnotte. 100 pépettes, pardon. Alors, bizarrement, il prend le clignotant que si je le mets à droite. Donc là, je devrais avoir un bonus de clignotant. Ouais. C'est pas du tout à droite qu'on le met quand on rentre sur un rond-point chez nous, mais c'est pas grave. Dans le jeu, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on fait comme ça. Youhou! Alors, faut savoir que le volant que j'utilise réagit s'il y a des nids de poules ou des trucs comme ça. Il va bouger en fonction, donc vous risquez d'entendre des gros bruits pendant la soirée. Surtout quand on me fait prendre des routes que je prends pas souvent. Donc là, c'est une voie rapide, donc normalement, il n'y a pas de trou dedans. Je vais lire ton message après parce que j'arrive pas à rouler droit à grande vitesse comme ça. Ouais, je suis en Angleterre. Je suis obligé de rouler sur la voie de gauche là. Enfin, plus là, mais. Je me gratte la jambe. Est-ce que ça va me valoir un accident? Je ne sais pas. Suspense. Ah, oh, on a oublié de lancer un pari. Ya! Yeah. Faites-moi penser à lancer des paris avant de démarrer les itinéraires pour savoir si je vais avoir des accidents ou pas. Alors sachant que j'ai 44 heures de jeu maintenant, faudra plus parier sur des fails forcément. Parce que je m'en sors plutôt bien en ce moment. Mais pendant un live, bizarrement, je peux être déconcentré assez facilement. D'ailleurs là, j'ai failli me prendre la rambarde de sécurité. Oh la vache, heureusement que j'ai augmenté l'intensité du freinage. Ok, alors du coup on nous envoie voilà de l'autre côté de la rivière pour aller... Ah tiens, il n'y avait pas ça. Ah bah tiens, nid de poule, allez hop. Bah là, du coup, ça aurait été bête loose. Le gars, tout seul au fond, il a vomi. Ah bah, ça se peut. Hein. Surtout avec le nid de poule, là, il a bien été loché. Laisse-moi passer, toi, j'ai pas envie de prendre le dos d'âne. Voilà. Je triche, eh oui. Ça me vaut pas de malus, alors je triche. Attention, il y a un piéton, est-ce que je vais le dégommer? Non, c'est bon. Ouf. C'était chaud. Mothers. Eh, 6 minutes d'avance. On a le temps là quand même. Ne jamais monter en voiture avec Steamy. Mais si je roule très bien.
Je suis un très bon conducteur. Alors, 18,20€. On dit ça dans une heure. Ah oui, avec la fatigue là qui va s'accumuler. C'est bon? Je peux vous contrôler maintenant, on va rigoler. Madame, madame, bonjour monsieur. Oh là là, c'est un fumeur lui, hein. Ah oui, tu me l'as déjà montré, pardon. Alors, est-ce que j'ai toujours... Enfin, est-ce que je l'ai sur ce truc-là? Ouais, mon timer pour faire les paris. On va pouvoir faire un pari tout à l'heure. Bon, allez, on y va, c'est parti. 4 minutes d'avance. J'ai pas activé le mode trop tôt. Du coup, normalement, je devrais pas me faire engueuler, voilà. Oui, en plus, c'est le dernier arrêt. Donc, si on veut pouvoir avancer un petit peu dans le jeu... C'est un CD le passage, mais ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que dès que tu t'approches à grande vitesse d'un carrefour, tout le monde s'arrête. Va savoir pourquoi. Peut-être parce que je suis un ouf. Et si je roulais comme ça en vrai, déjà j'aurais eu plusieurs accidents parce que les gens ils s'arrêtent pas en vrai. Hein. Quand t'arrives à une intersection à fond de balle, c'est pas parce que t'arrives à fond que tout le monde s'arrête. Hein. Donc du coup, on reprend la voie rapide en passant par là. Merci. Et on accélère. Alors, faut pas que je laisse le clignotant trop longtemps parce que bizarrement, il valide pas le clignotant pour un changement de fil, par exemple. Il va plutôt me foutre un malus parce que j'ai gardé le clignotant en ligne droite. C'est complètement stupide, mais c'est pas grave. La qualité est dégueulasse quand même. Je suis désolé de vous mettre ça. Alors, on va le remettre un peu plus loin, parce que j'ai peur que la distance, là, justement... Et puis, en plus, on passe pas par le rond-point. Normalement, c'est bon. Hop. Bouge. Elle fait ça, maman Aaron, non? Et c'est terminé. Donc on laisse les gens descendre tranquillement. Alors j'ai désactivé tous les événements où ils jettent des papiers dans le bus et tout ça parce que ça me gonfle. Je ne vis que pour rouler et pas pour nettoyer le caca des autres. Alors on va aller se rajouter un petit bonus d'XP en allant remettre le bus au dépôt. Voilà. Ça rajoute toujours des chances pour vous. De valider ou non un pari. Bon voilà, bah en l'occurrence il n'y en a pas. Pilou pilou pilou.
Ah, on a eu des victimes, de... À cause de mon hitpool de tout à l'heure, on a perdu 3 personnes. Ils ont pas apprécié que je les loge, ils sont partis. Allez, c'est bon. On est bientôt arrivé. Alors, je vais augmenter un petit peu les paramètres. Les paramètres du jeu, par contre, si ça déconne trop, bah, on sera soit obligé de changer de jeu, soit obligé de jouer avec une qualité comme ça. Après, c'est vous qui allez décider. Après, je peux essayer de régler d'autres trucs, éventuellement. Alors, ce qui est bien par rapport au Bus Simulator 16, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules. L'autre, on était obligé de descendre du bus à chaque fois pour ouvrir la porte du dépôt, c'était super pénible. Là, c'est fini, on a pu à le faire. Donc je coupe le moteur, je descends et je sors. Alors, à rouler trop vite sur un nid de poule, un seul, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a passé un niveau, on a débloqué un nouveau revêtement et une nouvelle couleur. Et on a fait un bénéfice de 15 300 dollars. Est-ce que c'est bon? On a validé les 180. Oh, 179, j'hallucine. On va être obligé de refaire le trajet juste parce qu'il manque une personne. Hallucinant. Alors, on va aller revoir les paramètres et puis du coup, on lancera un pari. Pari, pari, pari. Alors, comment je pourrais faire pour que ça bug pas trop? Est-ce que vous avez des idées? C'est quoi ça, 5V? Je sais pas ce que ça veut dire à chaque fois. Alors, intermédiaire. La qualité du feuillage peut être modifiée. Veuillez revenir au mode principal. Quoi? Qualité du feuillage. Luminosité. La luminosité est très bonne. Appliquer les réglages par défaut. Sauvegarder, c'est très bien. De quoi au nom? Appliquer. Est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est peut-être parce que c'était le temps que le jeu charge la carte, je sais pas, on a peut-être commencé à jouer trop vite. On va changer. Est-ce que j'ai la couleur que je voulais, moi? On n'a toujours pas les couleurs que je veux. Non. Cela ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on pourrait changer l'intérieur éventuellement? Ah, en bois, ça fait pas mal. Il faut que ça colle avec l'extérieur aussi, un peu, j'aime bien. Ça reste plus soft comme ça quand même, hein. Ouais, je préfère comme ça. Ok, donc au final, on change que dalle. Et on va y retourner. Du coup, il faut valider ce trajet. Donc je vais vous lancer un pari. Bet win, bet lose. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est point d'exclamation. Alors je vais lancer le pari. Ça va afficher un texte dans le chat. Et vous allez avoir 2 minutes pour faire vos paris. Le but du jeu, c'est de mettre bet win si vous pensez que je vais réussir mon trajet sans encombre. Alors, sans rouler sur un nid de poule, sans quoi que ce soit. En fait, ça va se jouer sur la colonne qui était tout à gauche par rapport à l'XP. D'accord? Donc, si j'arrive à avoir que des points bonus et que j'ai absolument bien roulé, j'aurai pas de problème et ce sera bet win. Et si vous pensez que je vais me prendre un nid de poule, que je vais rouler trop vite. Sur un dodan ou quoi que ce soit, vous mettez bet lose. Alors ça marche comme ça, point d'exclamation bet, BET espace win, WIN ou lose, LOSE, espace, une mise entre 100 et 1000 pépettes. Alors vous n'êtes pas obligé de miser, mais si vous misez pas, ça vous prend quand même d'office 100 pépettes.
Si vous misez 100, vous gagnez 1000. Si vous misez 1000, vous gagnez 10 000. Vous gagnez 10 fois votre mise. En cas de victoire, bien sûr. En cas de perte, eh ben, vous perdez votre mise. Point. Ok ? Allez, c'est parti. Vous avez 2 minutes Betwin, Betlose dans le chat. Le temps que je paramètre mon départ. Alors, on va jouer en mode jour. Non, allez, en mode nuit. Vous n'avez pas commencé à jouer. On joue en nuit. Voilà, donc ça va rajouter une petite difficulté. Et on va activer l'événement trop tôt. Ça rajoute une autre difficulté. Alors, point d'exclamation, bet, espace, win ou lose, espace, une mise entre 100 et 1000. Il vous reste 1 minute 20 pour voter. Oh. Tes joueurs, Svet. Alors, faut savoir que sur cet itinéraire, il n'y a pas de nid de poule. Si jamais. Si jamais on ne change pas mon arrêt, normalement, il n'y a pas de nid de poule. Il y a deux Dodan. Merci, JC. Enfin, quelqu'un qui me fait confiance. Allez, plus que 20 secondes. De 1-0, le pari. Les paris sont clôturés. Vous ne pouvez plus parier. On commence à jouer. Ouh là là. Ça, oh là là, je le sens mal déjà là. Je commence à déconner au niveau du son. On va avoir du mal à faire ce trajet sans laguer. Ah, quoique. Ah, on a quand même une meilleure qualité là déjà. Hein. Bonjour. Ah ouais, ça rame plus trop. Bonjour monsieur. Enfin bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça pue. Ouais, vous avez de la chance. Des fois, direct, le premier que je prends, c'est un fraudeur. Du coup, il se prend une amende de 120 euros. Donc, vaut mieux payer son billet, même quitte à le payer 3 euros et quelques, plutôt que de se prendre une amende de 120 euros. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai activé l'événement trop tôt, c'est-à-dire que maintenant, même si j'arrive avec 2 minutes d'avance sur un arrêt, je ne pourrai pas partir s'il reste plus d'une minute à attendre. Je vais être obligé d'attendre de passer sous la barre des 1 minute, ce qui m'oblige à rouler un petit peu plus en mode bourrin. Surtout quand il y a du trafic. On pourra éventuellement ajouter un peu plus de trafic plus tard, mais si c'est pour que ça fasse ramer le jeu, c'est pas la peine. Allez, on ralentit, on s'arrête. Right on time. On ferme la porte arrière pour éviter que les gens tentent de monter plus par l'arrière. Alors, simple, senior, 2. Et je te rends 1,40€. Simple, étudiant, non, normal. Merci monsieur, au revoir monsieur, installez-vous monsieur, on y va, c'est parti. Oh, j'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter, cette satanée voiture. C'est parti. Alors, bien entendu, si je me prends une voiture, je vais non seulement avoir une... une grosse diminution de mes revenus, puisque je vais payer les réparations. Et je vais aussi prendre un malus pour avoir eu un accident, bien entendu. Alors, on s'arrête parce que elle, je la... Voilà.
Elle était en train de me doubler, elle s'arrête, mais du coup, si la zone où elle doit doubler s'arrête, elle va me rentrer dedans. Et c'est moi qui paye. Voilà. Ce jeu n'est absolument pas... S'il y a un choc, peu importe d'où il vient, si c'est quelqu'un qui me rentre par derrière, c'est moi qui paye. Il me semblait que c'était un petit peu mieux fait dans Bus Simulator 2016, mais bon. C'est comme ça. Oui, bah, personne descend. Non. Bonsoir. Tu montes. Bonsoir. C'est bon, on peut y aller? Allez, go! Alors, on n'a plus que 10 secondes pour aller au prochain arrêt, c'est un petit peu chaud. Je prends une pénalité à partir de 1 minute 30 de retard. Donc ça me laisse un peu de marge. Mais sachant qu'on a toute la ligne à faire, 1 minute 30, je vous garantis que ça s'accumule très vite. Sachant que comme sur une vraie ligne de bus, on n'a que 1 minute par arrêt. Donc quand il y a beaucoup de monde qui monte, par exemple quand c'est un jour férié dans ce jeu-là, les jours fériés, le bus tourne et il y a beaucoup plus de monde qui monte. Alors, sur ce jeu, même si personne ne monte et que personne ne descend, on est obligé d'ouvrir, de fermer la porte, voilà. Et de repartir. Alors, j'ai pas de bonus de clignotant parce que je l'ai pas mis, mais j'ai pas de malus non plus, donc voilà. Tant pis pour vous. Alors, en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit je foire un truc et c'est Svet qui est content, soit je foire rien et c'est Chissé qui est content. J'attends vos encouragements respectifs, bien entendu. Rentrez pas par derrière. Vous êtes chelou. D'accord. J'ai parlé d'encouragement, le Chissé, pas de menace. Oh, on n'est pas aidé. Hein. Mais merci, madame, vous êtes bien aimable. Oh, comment j'ai trop bien géré. Bonjour. Alors, semaine. Si tu te plantes, je Twitch Prime. Pardon. Allez, je me concentre. Pour pas avoir trop de retard. Parce que du coup, oui, c'est des points d'XP que je perds si je suis en retard. Donc pour laisser ses chances à Chissé quand même, je vais me concentrer un peu plus. Secondes pour faire tout le tour. Oh là là, ça va être chaud. Hein. Enfin, du coup, 1 minute. Alors, c'est vrai que ce jeu est actuellement disponible sur ma sur Instant Gaming pour 22,49€. Il est à moins 2%, je crois, un truc du genre. C'est pas beaucoup, c'est pas une grosse promo, mais c'est une promo quand même. Alors là, il y a que du monde qui descend, donc comme en vrai, je vais ouvrir uniquement la porte arrière. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à passer par le lien qui vous a été donné par Roi Copain, afin de pouvoir en faire profiter tous les copains lors du prochain live où il y aura des cadeaux, à savoir le 17 avril 2019 pour mes 30 ans. Et on est en 2019, donc j'ai plus besoin de préciser l'arrêt. L'année. Pff. Tu t'arrêtes pas à la saleté. Normalement, elle s'arrête. Ah, petite coquine.
On perd du temps, je suis obligé de m'arrêter là, c'est nul. Enfin, des fois, il y a des gens qui descendent. Tu descends, tu... Ah bah tiens, tu vois, il y en a qui descendent. Faut appuyer pour descendre normalement, hein, sinon je m'arrête pas moi à la base. Ah, ça sent bon pour chisser. Je dis ça, je dis rien. La dernière fois, je me suis planté en essayant de faire, en essayant de brancher le chargeur sur ma tablette. Enfin, en essayant de l'activer grâce à cette télécommande, surtout. Allez. Oup là. Ça passe. Ça me dégoûte. Attends, parce que faut que je le ramène au dépôt après. Hein. Ah, vous avez fait des gros paris quand même. Donc, je vais pousser le truc au max. Hein. Et regardez pile poil à l'heure. J'ai 3 secondes de retard. Magnifique. Au revoir, messieurs, dames. Merci de votre visite. Bête loose. C'est un peu trop tard, Kikinette. Hein. Le pari, c'est avant que je commence à jouer. Hein. je veux bien que tu passes, toi, parce que t'es à peu près. Là. Ah non, c'est pas mauvais timing. On passe à... timing parfait, c'est quand je suis dans les temps. Bon timing, c'est quand j'ai à peu près 30 secondes, une minute d'avance ou de retard. Et mauvais timing, c'est bah, du coup une pénalité. Et c'est à partir de 1 minute 30 de retard. Aaron avait éteint mon ordi. Oh. Alors Aaron. Voilà, chauffard. On tente, bam. Alors, histoire de pouvoir donner ses chances à tout le monde, salut Nassim, comment ça va? Bienvenue sur le live. Histoire de donner ses chances à tout le monde, je vais changer de bus au cours de la partie pour en prendre un plus long. Et les plus longs sont un petit peu plus durs à manipuler dans les virages. Généralement, je bouffe un trottoir, ce qui me fait perdre des points. Pas d'excuses foireuses, Kikinette. Alors, faut le prendre à moins de 30 km/h si je veux pas avoir de problème. Non, pas trop tôt. Alors, ça passe. Ça passe. Et c'est la victoire pour Chissé. Alors, je vérifie avec vous. Alors, les clignotants, 9 fois, bonne position à l'arrêt, enfin, 8 bons clignotants, les positions à l'arrêt, vous vous êtes agenouillé à l'arrêt de bus, pourquoi faire, on ne sait pas, vous avez utilisé le clignotant correctement, vous avez été à l'heure aux arrêts, et vous avez terminé le trajet au garage. Ça nous a valu un tout petit peu de points d'expérience. Allez, du coup je valide le pari en bet win. W-I-N. Félicitations à Chissé, tu remportes 10 000 pépettes. Félicitations, je lance immédiatement. Alors, pas tout de suite, que je suis bête.
On va d'abord voir ce que la dame elle nous dit. Je vais relancer un pari, Kikinet, t'inquiète pas, c'est le but de la soirée. Bon, elle va parler pendant une demi-heure, donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, salut. Right. Hello there. I followed your project closely so far. You see, I'm the spokesperson for the Chamber of Commerce, and we'd like to improve the mobility network between our town, the surrounding villages, leisure areas, and the business park for a better quality of life and work. If you could help us with that, ouais, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Open up the agricultural area to the east of town for new routes. Sounds great. I'd suggest starting to create round-trip routes, as they're very effective at transporting a lot of passengers back and forth. Ah, ça y est, ils ont fini de parler. Oui. Je commence à avoir chaud. Alors, organiser un itinéraire. Alors, on peut épingler, hein, bien sûr, je vous le rappelle, en faisant comme ça, ou alors vous pouvez tout épingler en cliquant ici. Ce qui sert à rien, parce qu'on ne voit plus la carte. On a débloqué des nouveaux arrêts. Qui sont où? On peut pas se promener sur la carte comme ça, faut faire comme ça. Alors on a débloqué toute la zone ici, ainsi que une partie du centre-ville qui est ici. Voilà. Donc là, on a sélectionné ceci, organiser un itinéraire avec 7 arrêts maximum qui relie Oakville avec Sheikwalden et Espoke ou Espoke. Donc c'est cela. Alors, je sais pas pourquoi on nous sélectionne ces deux-là, puisque ces deux-là, il faut pas les prendre. Alors, il faut partir d'ici. Donc, 1, 2. Alors, oui, nouvel itinéraire déjà dans un premier temps. Gna gna. Ah, bonne soirée, Svet. Merci de ton passage, ça fait plaisir. Et à bientôt. Alors, on commence d'ici. Ensuite, on va là. Ensuite, on va à Sheikwalden. Ensuite, on passe pas par celui-là parce qu'il faut 7 arrêts maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si, en fait, si. Hop, et on termine comme ça. Normalement, si je clique ici, itinéraire validé. Conduisez-le en mode aller-retour. C'est-à-dire que je vais devoir faire tout ça. Ensuite, il va me faire passer par là ou par là, j'en sais rien. Et reprendre tout ça. Donc, on va le faire en mode jour. Tiens, on va faire au pif. Aube, ensoleillé et pluvieux. Ah, aléatoire. On va mettre aléatoire. Voilà, au pif. On aura peut-être de la pluie, peut-être de la nuit et de la pluie. Voilà, donc ça. Ouh là là, suspense. Trajet aller-retour. Mode événement trotto activé. Mode caisse activé. Ce qui va faire en sorte de. Potentiellement, si en plus on tombe sur une journée fériée, d'avoir carrément du retard. Et donc, voilà. Là, on est carrément kiff-kiff sur Betwin, Betloose, parce que si je tombe sur une mauvaise journée, c'est Betloose direct. Donc, je vais lancer un nouveau pari. Je vous rappelle que vous avez seulement 2 minutes pour faire vos paris, et que seulement après les paris, je lance la partie. Bien évidemment, pour laisser la possibilité à tout le monde de gagner. Alors attention, ce message est un message subliminal qui fonctionne très bien. Abonne-toi, abonne-toi. Je remercie tous mes super copains d'être présents ce soir. Et je remercie tous mes super copains tout court, parce que j'en ai 8 au total. C'est super génial. Merci beaucoup. Si je m'attendais à ça. Alors, super Paris, j'allais dire super Paris. Je suis trop fort. Allez, Betwin, Betloose, vous avez 2 minutes à partir de... Pourquoi c'est comme ça, ça? Ah oui, j'avais pas enlevé, d'accord. À partir de maintenant. Point d'exclamation, bet, espace, win ou lose, espace, votre mise entre 100 et 1000 pépettes. Bien sûr, il faut avoir follow la chaîne. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent éventuellement. Pendant que vous faites vos paris,
Alors oui, mon casque s'allume pas parce que j'ai branché mon volant, du coup. C'est quoi le pari Betwin, Betlose? Alors c'est Betwin si je réussis à faire tout l'itinéraire sans avoir aucun malus, c'est-à-dire aucun point de retiré pour avoir pris un trottoir, avoir roulé trop vite sur un nid de poule ou un dos d'âne. Voilà. Et Betlose si je me prends le moindre truc qui va pas. Merci Kikinette, ça fait plaisir. Allez, il vous reste 50 secondes pour faire vos paris. 10 000, c'est trop, Nassim. C'est 1000 le maximum. Betlose, 10 000, et puis quoi encore? Alors, sachant que si tu paries 1000, déjà, tu auras 10 000 pépettes si j'ai Betlose. Alors, j'ai deux paris de valider. Faites vos jeux. Attention, plus que 30 secondes. Le micro est peut-être un peu fort, c'est moi qui parle fort en fait. Alors, au boulot, je parle pas assez fort et là, je parle trop fort. Comme ça, c'est mieux. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, mais c'est parce qu'il n'y a plus la musique du jeu, vu que je suis plus sur les grands du jeu. Votre ticket est perdant. Betlose 500 pour Chissé. Ah, les paris sont clos. C'est terminé, je vais lancer l'itinéraire. En mode aller-retour, on est bien, ouais d'accord, donc ça double les chances de se prendre des trucs. Sachant que sur cet itinéraire, il y a des nids de poules. Alors, pas de pluie. Pas de nuit. Et pas de jour férié. Donc pour l'instant, on part sur un Betwin, si je me débrouille pas trop mal. Bonsoir. Enfin bonjour, c'est l'aube. Bonjour, one ticket please, d'accord. Alors on peut prendre notre temps pour le premier, normal, 1, je te rends 0. Ouais c'est ça, ouais. Montez au fond, je vais vous contrôler de toute façon, donc simple, normal. Alors 2,80€. Non, c'est pas ça. Jour, normal, ça commence bien. Allez, contrôle général. Installez-vous confortablement. Je vais vous demander vos tickets, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ceux qui se mettent au fond. Il me fait coucou en plus. Monsieur, oh, tout le monde est en règle. Quel dommage, je n'aurai pas plus d'argent pour l'instant. Allez, go. Début de cet itinéraire. On va découvrir une nouvelle partie de la ville, alors que vous avez déjà découvert si vous avez regardé le let's play sur YouTube. Mais de rien. T'as regardé là? Ah bah oui, c'est vrai, t'étais en décalé. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, comme tu veux. Simple, normal. Et c'est bon. Et on est déjà en retard. Donc pas de contrôle, vous avez de la chance si vous fraudez. Mais ça va pas durer. Dès que j'ai l'occasion, je contrôle tout le monde, moi. Même ceux qui ont déjà été contrôlés, je m'en fous. Alors. Ah, il y a plus de chances de ne pas voir les nids de poules avec le soleil comme ça. Ah. Tiens, regarde, en voilà un. Ah, il n'est pas été activé, celui-là, j'ai pas senti. Large Street. La rue large, oui, bien sûr. Non, merci. Vous êtes bien aimable. Ah, quelqu'un bloque la porte. Alors, simple, normal. 2,80€.
Jour étudiant. Oh, tout le monde prend un ticket. Vous allez me mettre en retard. Mais c'est bien, vous payez. J'en ai peut-être rendu trop, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, une minute de retard. Alors, pas trop vite parce que celui-là, il marche très bien. Avance-toi. Avance. Quand je les colle, généralement, ils avancent, mais ça se peut que le jeu se mette à bugger et que ça me compte un accident. Allez! Ah non, je peux pas plus, là. Si j'avance plus... Voilà. Alors, on va essayer de forcer un peu. Oh là là, 1 minute 10, vite! J'ai plus que 20 secondes, sinon on comptabilise du retard. Pas de nid de poule, c'est bien. Eh, mon clignotant qui a pas été validé, c'est pas gentil. Ah, c'est pas grave, montez par l'arrière si vous voulez frauder, je m'en fous. Alors, semaine, normal. Merci. Allez, on trace. Alors, je commence à connaître, mais les nids de poules, je les connais pas forcément par cœur. Avance! Oh, bah, c'est obligé qu'on va avoir du retard, là. Allez, bouge! Alors, le nid de poule, on l'évite. Ah, merde! Bon, bah, c'est bête, loose, hein. On a plus d'une minute trente de retard, c'est foutu. Félicitations à ceux qui ont mis Betlouze. Doudoudoum, trop tard. Voilà. Premier point de pénalité, mais en même temps, même s'il y en a juste un seul, c'est Betlouze. J'ai pas fait un perfect. Et c'était le but du jeu. Yeah! Ah, je suis en ouf, mais j'ai pas envie de me le prendre. Vous avez vu ça, les réflexes? Ouais. Je suis trop bon conducteur. Merci. Normalement, c'est moi qui cède le passage, mais elle a eu peur. Je suis un peu monté dessus quand même là. Fais câlin. Allez, mais bouge-toi avec ton trafic d'occasion là. De toute façon, c'est Betlouze, mais... N'empêche que dans ce jeu, je suis un chauffard. Vous avez pu le remarquer sur le premier live. On va se refaire une partie, forcément, en mode jeu libre. Histoire que vous aussi, vous puissiez en profiter. Kikinette, essaye encore. Il sait pas dire autre chose, je crois, copain. Ah oui, c'est vrai qu'il radote un peu ce soir. Pourtant, il a plusieurs messages. Eh, on a bien rattrapé notre retard quand même. Je suis content.
On va pouvoir fêter ça avec un... Non, ça va être juste quand même. I need a ticket, please. Alors, on dirait qu'une porte est bloquée. Oh, ils font chier. Simple. Oh, pardon, il y a des enfants. Normal, hein. Pardon, c'est pas bien, j'ai dit des gros mots, vilain gamin. Oui, bah, je suis en retard, tant qu'à faire. Je rattrape mon retard, vous me remettez en retard, c'est très gentil de votre part. Ça rime, c'est super, j'aurai pas de points bonus pour ça non plus. Jour, vieux. Voilà, au moins elle a de la monnaie, la vieille. Voilà. Poussez-vous, je passe. C'est un CD le passage, hein, vous l'aurez noté, mais tout le monde s'arrête. La terreur. Merci. Ah merde, il y a quelqu'un qui descend. Pardon, je t'ai mis la porte, pardon. Je suis désolé. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais vous êtes combien encore là? Voilà, on ferme. C'est bon. Bonjour monsieur. Oh sérieux. Bonjour, 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 bonjour. Vous êtes beaucoup là quand même. Contrôle. Allez, bim. Ça vaut le coup de se lever. Allez, bim. Double. 240 euros. Cling dans mes poches. Ah, y a trop de monde, je passe par là. Hop. C'est dans le col de la route. Je suis un bus. Oh bah c'est pas. À taper contre le trottoir. Non, c'est tout le bus qui a tapé contre le trottoir. C'est pas grave. C'est dans le code de la route. Je suis un bus. J'ai le droit de faire ça. Tiens, j'ai le droit de faire ça aussi. Les amortisseurs sur un bus, ça coûte super cher, donc faut pas abuser. Poussez-vous, j'arrive. Allez, s'il vous plaît. Je suis déjà en retard, là. Ah, oh, vous me saoulez. Une roue a tapé contre le trottoir. Oui, à mon avis, je vais me prendre des dégâts encore. Oh, si, ça passe. On va mettre le clignotant quand même. Ah merde, du mauvais côté, pardon. Mais c'est ça aussi de mettre des pales sur le volant. C'est bon, je suis sûr. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'arrive à rattraper mon retard en plus. Poussez-vous! Ça descend pas, ça descend pas. On se casse. Poussez-vous, je m'en vais. Lido. Titut, allez. 2 minutes 40. Oh, c'est chaud là. C'est très dur à tenir le timing là-dessus. C'est pour ça que quand on a des horaires, des lignes. En fait, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est quand on fait des lignes, plus tard dans le jeu, en fait, on va nous demander de relier la gare centrale, par exemple, avec plusieurs parties de la ville. Donc, en fait, le premier arrêt va être à la gare centrale, et le deuxième arrêt va être à l'autre bout de la ville. Et là, on va nous mettre un temps absolument gigantesque pour atteindre cet arrêt. Et là, généralement, quand on n'active pas le mode trop tôt, eh ben, on a carrément de l'avance et on peut faire toute la ligne sans avoir de pénalité de retard. On peut quand même se prendre des nids de poules, etc. Mais on n'a pas de pénalité de retard, c'est déjà ça. Que là, au bout de deux arrêts, j'avais déjà du retard. Résultat, on a flingué le pari pour ceux qui avaient mis Betwin. C'est un petit peu dommage. Mais bon, là, vu comment je roule, c'est n'importe quoi. Vous auriez eu un bet loose quand même. Faut pas abuser. Tiens, allez, nids de poules. Ah! Il fonctionne pas celui-là. J'arrive. Wow.
Très ponctuel. Ah bah ouais, une minute d'avance. Bien sûr, madame. Waouh, ça a bien bugué là aussi. Ah merde, c'était 2. Pardon. Zut, crotte, 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 zut, flûte. 2, 4, 5. 5, 6. Simple, normal. Eh, ça bug là. 2,80€. Contrôle ? Allez. Qu'on rigole. Bonjour messieurs. Ah, combien de fois je vais vous montrer ? Oui, mais c'est pas grave. Ah, on a un monsieur en fauteuil à faire monter aussi dans le bus. Mais c'est pas grave, tu vas me le remontrer et puis c'est tout. Tiens, toi, tu vas me le montrer plein de fois, voilà, toi aussi. Tiens, t'es pas content, tu recommences. Fais voir ton ticket, pardon, je l'ai pas vu. Il est comment ton ticket? Non, non, mais range-le pas si vite, là. Fais voir, voilà, merci. Bonjour, toi, ça va? Tu veux monter? Alors, il faut savoir que dans cette ville, les messieurs dames en fauteuil ou quoi que ce soit ne payent pas de tickets, on ne peut pas les contrôler. Voilà. Alors non seulement ça monte par l'arrière, tranquille, et en plus, ça paye pas de tickets. Eh ben, non, c'est très bien, c'est une très belle politique. Et je me suis mis en retard. Youhou! On y retourne. Vous avez perdu, laissez tomber. Alors, ce nid de poule n'était pas activé non plus. Je peux vous garantir que quand ils vont les mettre tous en service, je vais m'en prendre plus d'un. Parce qu'il y a des rues... Ouah là, où ils sont quasiment successifs. Elles sont très mal entretenues, les routes dans ce jeu. Ah, il est déjà 10h30, sérieux? Merci Alexa, elle est gentille. Et ben, je le ferai à la fin de cet itinéraire qui est bientôt terminé, bien sûr. Moi j'ai payé un ticket pour rien là, pourquoi? Pardon, alors, semaine normale 2. Oh, ça va te coûter cher ça, 60€. C'est tout? D'accord. Ok. Moi j'en veux bien, hein, s'il te plaît. Tiens, je vais m'en faire un pendant la pause. Comme si j'en avais pas bu assez aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas vu Ghost aujourd'hui. Il devrait pas tarder. On va faire descendre le monsieur en fauteuil parce que j'ai peur d'oublier après. C'est ça qui est bien, c'est que dès que tu mets la rampe, il sort. Même si c'est pas son arrêt, c'est pas grave. Semaine. Normal. Ah non, il sort pas. Ils ont fait une mise à jour du jeu? Ou il est plus dans le bus? Ah si, il est encore là. D'accord, ok. Bah, autant pour moi, il veut pas sortir. Normalement, il est censé réclamer la rampe quand il veut sortir. Mais des fois, il reste tout le long, il la réclame pas, même pas au terminus. On se dit, il veut rentrer avec moi au dépôt, tranquille. Il va m'attaquer sauvagement après, il va me sauter dessus. Le mec fait genre, ah, il a plus de jambes. Mais en fait, c'est un serial killer. Tu veux descendre là, peut-être? Non? Ah si, au revoir. Last stop. Vous êtes prié de livrer le bus à la sortie. C'est nul, c'était nul. Ne riez surtout pas cette blague, je vous en supplie.
Allez, puis un petit point pour terminer en beauté. Freinage brutal. Au revoir, messieurs, dames. On va s'épargner le retour hein, catastrophique. Parce que c'est bourré de nid de poule, là. Allez. Au revoir, messieurs, dames. Merci de votre visite. Allez. Oui, ça bug un petit peu, là-bas. Bip, 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 bip. Ah oui, il y a beaucoup de... Voilà. 4. 4 fails. Ouais, un nouveau bus, le Iveco Urban, ouais, je sais pas quoi. Alors, on a dépassé. Bah oui, tu m'étonnes. Ok. Alors, je vais valider le pari, bien entendu. Et puis, on va aller en pause. On verra ensuite. Alors, c'était un gros lose. Et félicitations à nos deux gagnants. Vous cliquez bien sûr sur le lien pour voir combien vous avez gagné. Alors je crois qu'il y avait du coup il y avait un bet lose de 500 pour Chissé, du coup tu remportes 5000. Et il y avait un bet lose de 1000 pour Nassim qui remporte 10 000 pépettes. Félicitations à vous deux. Et désolé à toi Kikinette Jolie, tu as perdu 1000 pépettes. Allez, on va lancer la pause, 5 petites minutes. Alors, je clique ailleurs pour pas que vous ayez la musique du jeu en plus de la musique de la pause. Ce serait un petit peu dommage. Et moi, je vous retrouve dans 5 minutes pour la suite des aventures de Bus Simulator. A tout à l'heure.
Et rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes pas endormis. Ah, c'est dur le vendredi soir. On a du mal à suivre le live, hein. Je crois que tout le monde pionce devant son PC ou sa tablette. Et bah, bonne nuit à vous si vous vous endormez. Rechissez. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire, messieurs et mesdames? Alors, on a une nouvelle ligne à créer avec des arrêts, donc ici. Ok, sous ce machin là. Scoberground. Scoberground. Scoberground, comment on dit? Scoberground. On s'en fout. ensuite, on passe par Lido et on fait. Voilà. Donc, alors, normalement, en modifiant cet arrêt, ça devrait le faire. Je veux pas faire 50 000 lignes. Je voudrais en avoir qu'une seule. Pourquoi c'est la ligne 4 ça? Ah oui, parce qu'on refait des lignes à chaque fois. Normalement, si je supprime celle-là, ça doit le faire. Donc, il nous faut combien d'arrêts ici? Minimum 2. Il en faut 7. Donc, on va dire 3. 1, 2. Allez, pourquoi tu prends pas? J'ai dit 1. Ensuite, j'ai dit 2. Ensuite, j'ai dit 3. Non, dans l'autre sens, s'il te plaît, merci. Ensuite, je dis 4. Ensuite, je dis 5 et 6. Et oh! Voilà. Il n'y a pas eu de message depuis 20 minutes. Ah bah oui, mais écoute, les gens, la plupart du temps, ils font quelque chose en même temps. Mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient là et qu'ils m'écoutent dire des conneries pendant qu'ils font autre chose. Stimer et me rire, n'hésite pas à faire de l'humour. Elle est pas normale, cette phrase. On n'arrive même pas à la lire déjà. Salut Gizmo, bienvenue. Devine qui revient, toi et ta petite fifi. C'est une fille, je crois, hein, c'est ça? Je me pue. Ah, moi et ma mémoire, sniff. Oui, c'est une fille, ah, moi et ma mémoire. Ça faisait longtemps, j'espère que Nassim a pu voir ça. Céleste, mais oui, quel magnifique prénom. Allez, une petite gorgée, c'est du DK. Je suis déjà assez énervé comme ça. Alors, on va faire cette nouvelle ligne qui regroupe la zone, la ruelle des travailleurs, la promenade de rivière, enfin rivière de promenade machin, hein, et qui revient jusqu'à notre ville. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme difficulté? Alors, on est toujours en mode aléatoire. Tiens, on va se mettre le démarrage rapide désactivé. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir du dépôt, qu'on va devoir aller jusqu'à notre premier arrêt, et qu'on va devoir démarrer la ligne à partir de là. Donc voilà, difficulté supplémentaire a été ajoutée. Réglage des rétroviseurs, sérieux? Non, on va peut-être pas s'amuser à régler les rétroviseurs. Comment? Je m'excuse au fait pour le lien sur le portable. Je m'en rappelle plus si t'avais eu des problèmes de lien ou je sais plus quoi. C'était pour Discord, c'est ça? Je sais plus, écoute. Alors, on va lancer les paris. Ouais, bah tu vois, écoute, ça m'a pas travaillé, hein, je m'en rappelle plus. on va lancer les paris. Donc je vous rappelle, Betwin, si vous pensez que je vais réussir à faire tout cet itinéraire avec tous ces avec toutes ces options, éventuellement on pourrait rajouter. Alors on voit que j'arrive quand même à me retrouver en retard malgré tous ces trucs là. On pourrait rajouter toutes les options qui font que qu'on a des gens, par exemple, voilà, des gens qui bloquent la porte du bus. Des gens qui écoutent de la musique trop fort, des gens qui jettent des trucs dans le bus. Tout ça, c'est des trucs qui nous font perdre du temps. Pardon, excusez-moi, je bois trop vite et du coup... mais je les mets pas, parce que ça m'énerve. Le seul truc que je mets, c'est un passager oublie de descendre, parce que ça arrive tellement souvent en vrai. Le coût des déchets, bon, généralement, on me le signale qu'une fois que j'arrive au terminus, donc éventuellement,
On pourrait dire qu'une fois de temps en temps, voilà, risque bas, quelqu'un va jeter quelque chose. Un passager a oublié un objet de valeur, ça c'est un petit peu trop contraignant parce que t'es obligé de sortir de ta cabine pour aller chercher l'objet dans le bus. Alors il y a des bugs, on n'arrive pas à l'attraper, j'ai réussi une fois à le faire. Et après il faut courir dehors et aller voir toutes les personnes pour savoir pour savoir à qui cet objet appartient, et en plus tu sais même pas si t'as réussi à le rendre ou pas, enfin bref, c'est super compliqué. Je vous déconseille fortement d'activer ce truc là. Et une voiture bloque le bus éventuellement, ouais, ça peut arriver. Ça, il y a juste un coup de klaxon à mettre, c'est pas trop chiant. Pourquoi j'avais désactivé ça, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Alors, il y a un nouveau pari, oui, va y avoir un nouveau pari. J'ai rajouté des événements aléatoires qui peuvent nous faire perdre un petit peu de temps. Voilà, histoire de complexifier un petit peu les choses pour moi. Et d'augmenter le fun pour vous, puisque plus je vais être pressé, plus je vais faire des conneries, plus ça va vous faire rire, et plus vous pourrez mettre des points d'exclamation bête loose dans le chat. Alors, on va pas commencer le trajet, on va commencer un nouveau pari, en cliquant ici, en fermant cette fenêtre pour éviter de bouffer de la RAM, en coupant mon retour, ça pourrait éviter que ça rame aussi. Nouveau jeu bet win bet lose. Alors je rappelle, point d'exclamation bet espace win ou lose, L-O-S-E, espace une mise entre 100 et 1000 pépettes. Attention, vous avez 2 minutes. Wow, merci Kikinette. Merci Gizmo. Oh là là, c'est gentil. C'est gentil, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que je peux être en retard. On a bien vu pour ce premier arrêt. Merci beaucoup pour votre confiance, mais à mon avis, c'est de l'argent de perdu. Non, je vais essayer d'être à l'heure. Ah, en plus, on a activé l'événement trop tôt. C'est-à-dire que si j'ai de l'avance, je vais être obligé d'attendre qu'il reste moins d'une minute sur le timer pour pouvoir partir. Je vais pouvoir partir avec une minute d'avance maximum. C'est pas beaucoup des fois. Je voulais mettre 16 000. Tu peux pas, c'est maximum 1000. Sachant que tu remportes 10 fois ta mise, si tu mets bet lose 1000, tu remportes 10 000. Comme Chissé vient de le mettre. Chissé a énormément confiance en ma conduite, ça fait peur. Allez, encore 50 secondes. Je vais reboire une gorgée de café. Les chauffeurs de bus boivent beaucoup de café, je suppose. Les musiques sont super sympas dans ce jeu, faudrait que je pense à les mettre un peu plus souvent. Et peut-être le son du jeu est pas assez fort. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'augmente le son du jeu ou que j'éloigne un petit peu mon micro, parce que j'ai l'impression que je monte un peu trop souvent dans le orange-rouge. Dites-moi hein, s'il y a un truc pas assez fort, trop fort. Y a pas de souci. D'un autre côté, c'est le seul à avoir gagné. Ouais, là, il y a beaucoup de bet lose. Hein. Je vois que les gens me font plus confiance. C'est terminé. La confiance est finie, là. Il y a que Gizmo, mais il a pas vu comment je conduis encore, donc... il va pas tarder à mettre bet lose aussi. Allez, le pari est terminé. On commence à conduire. C'est parti. Alors, quand ça fait Toulon... Ah oui, c'est vrai, on commence depuis le dépôt. Alors, le trajet commence au dépôt, déjà on a point bonus, c'est cool. Alors, on ouvre la porte ici. Ah oui, c'était pas conduite simplifiée, d'accord. Donc les conduites simplifiées, en fait, ça règle automatiquement les rétroviseurs et ça évite, normalement, en plus d'ouvrir la porte là, je dois les déverrouiller à l'avant et à l'arrière en tournant ces petites poignées. Voilà, on va vérifier qu'il n'y ait pas de déchets dans le bus. Voilà, tout est propre, gna 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 gna. Tu faillotes un peu, d'accord. Alors, on va démarrer le bus en appuyant sur la touche I trois fois. 1, 2, contact, 3, moteur. On va zoomer en cliquant droit sur la souris. On va activer les lumières en appuyant sur L. Hein. Vous voyez que ça s'affiche entre parenthèses, la touche. Voilà. On a éventuellement ici sur la touche 9 et ici sur la touche 0. Ok. On va desserrer le frein à main.
On va activer le limiteur de vitesse qui est déjà mis. On va toucher à rien d'autre en fait. Absolument magnifique. Non, on reste comme ça. Et on va mettre un petit peu de musique. Oui, 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 parce que c'est des musiques qui sont utilisables, bien sûr. Donc je vais pas me faire striker sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est bon le son ou pas? On va hausser un peu. Est-ce que ça marche? Ça marche pas du tout. On est peut-être à fond là-dessus. Je sais pas si on peut régler le volume là. Non. C'est moins complet que Bus Simulator 2016. Hein. Il n'y a pas la clim à régler, tout ça. Ce sera peut-être l'objet, pareil, d'une mise à jour. Je sais pas du tout comment il compte faire ça. Et si vous entendez la musique, bah du coup, sympa. Apparemment, c'est bon. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne. Peut-être on pourrait augmenter un peu la musique, j'en sais rien. Faudrait faire ça éventuellement avant. On en est où là-dessus, là, d'ailleurs? Audio. Volume des musiques, on va mettre à 0,8. Volume des dialogues. 6. Allez, roule MDR. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On y va. Je me suis les mains pour l'adhérence. Non, bon. On n'a pas beaucoup de circulation aujourd'hui, c'est bien. C'est sympa. Alors, doucement. Voilà, histoire qu'on se prenne pas un malus dès le départ. Ce serait dommage. Ah, roi copain qui radote encore. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, on a un petit radar sur la droite, là. Faites coucou. Allez, tiens, toi. le premier arrêt n'est pas là. Pourquoi il... Comment ça se fait que j'ai un arrêt là? Moi j'ai mis la... Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Ah, on a un arrêt qui a dû changer alors. Parce que à la base, c'est pas du tout un arrêt de départ, ça. Plastoker. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Merci, contrôle. Histoire qu'on rigole un petit peu. Madame, monsieur. Allez, bim. Bonjour. Ouais. Ok. Et toi, t'es à jour. Ok, nickel. Merci beaucoup. Et salut à toi, Rasbirk. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Je peux passer? Non? T'as pas envie. D'accord. Pourquoi j'ai ces arrêts-là? Mais c'est quoi la ligne que je viens de faire, là? J'ai pas compris. Je la fais à l'envers, on dirait. Non, mais c'est pas... Comment ça se fait que j'ai ces arrêts-là à desservir, moi? J'ai dû faire une connerie. J'ai pas tout compris, hein. Donc ça ajoute un petit peu de difficulté au jeu, parce que je connais pas le... Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Russe. Ah, pff, super.
Ce stream est français, désolé mon petit, mais je vais pas comprendre ce que tu me dis, hein. Je parle pas anglais. Allez, vite, 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 on se dépêche. Merci, au revoir. Clignotant, si je veux qu'on me laisse passer, parce que là, le trafic a l'air de s'intensifier. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Je vois des traits bleus partout, là, sur le GPS, ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est que ces détours? Pourquoi on me fait passer par là? J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi on m'a changé ma ligne? On est d'accord que c'est pas du tout ce que j'avais paramétré à la base. Hein. J'étais censé partir d'un quartier qu'on connaît pas. D'accord. Comme vous voulez. 3 secondes, oh là là, je vais encore être en retard, c'est pas cool. Personne descend. J'ouvre les deux quand même, on s'en fiche. Oh, il y a du trafic. Alors, clignotant. Dans le bon sens, ça serait bien. Allez, vite, vite. J'ai pas que ça à faire. Mais oui, bien sûr, t'as que ça à faire aussi, toi. Dépêche-toi. Comme si j'étais pas resté assez longtemps à l'arrêt. Le mec, ah, j'ai oublié de descendre. Merci. Ah, c'est quoi ce trafic? Et je suis en intensité bas. Hein. Alors, laissez tomber si on met normal ou élevé. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Oh, le débile. La merde, je triche. J'espère qu'on va pas tuer de piéton. Alors. C'est bon, je peux reculer. Tu crois? Je peux y aller? Je tape dans personne. Laisse-moi passer, toi. Ou je t'écrase. Et j'aurai un malus. Ce serait dommage. Laissez-moi passer! Alors, lui, il traverse. Oh, oh. Même pas de malus. Ça, c'est magnifique. Je suis vraiment un pro. Je m'aime. Ah, mais... On est quand même trop en retard. Non, c'est nul. Bon, bah, c'est un bête loose. Félicitations. Ah, je suis déçu. Un bête loose dès le départ. Mais c'est trop nul. Désolé pour toi, Kikinette. Oh voilà, bah, on a des Russes qui arrivent sur le sur la chaîne, du coup je suis perturbé. C'est gentil, hein, j'intéresse les... Trop tard, allez, bim. Ah, oh, c'est nul, par contre, dès le début de la ligne, comme ça, c'est pas cool. Ça laisse pas beaucoup de chance à ceux qui avaient mis Betwin. Je suis désolé. Peut-être si j'avais pas foiré, j'aurais pas. J'aurais eu moins d'une minute trente de retard et du coup on aurait pu le faire. C'est de ma faute. Tu proposes autre chose, Timmy? Non, pas ce soir. Ce soir, c'est moi qui me remplis les poches. Faut savoir que toutes vos pépettes sont converties en euros et sur mon compte. T'imagines?
Bah là, tout le monde ferait du stream, hein. Je saurais même pas quoi faire de tout cet argent. 2 minutes 30 de retard, non mais j'hallucine. C'est un scandale. J'ai jamais été autant en retard. Moi je veux gagner. Elle veut un ticket. Oui bien sûr. On n'est pas assez à la bourre comme ça, tu veux un ticket. Je préfère que tu fraudes, tu vois. 2, 4, 60. Heureusement que je me suis entraîné à faire la caisse. Hein. Allez. 2, 4, 6, 7, 60. Ah, laissez-moi passer, je force là, hein. Obligé. On se calme. Je peux pas refaire de ticket. Si, il faut attendre 30 secondes. Alors, on déploie la rampe pour le monsieur en fauteuil qui va pas payer son ticket. J'ai pas envie de le laisser monter à bord. Semaine pour un vieux. Voilà, on lui rend 16 euros parce qu'il a pas de monnaie. Allez, papy, va t'asseoir. Simple, normal. Voilà, on rend 2,80 €. Merci, au revoir. Allez! Je vais perdre un ticket de bus. Qu'est-ce que c'est que cette ligne, sérieux? Ils m'ont mis des arrêts aléatoires ou quoi? C'est pas du tout la ligne que j'avais prévu de faire à la base. Je comprends pas là. Regardez-moi tous les zigzags que ça me fait faire. C'est pas du tout la ligne qui était prévue. Hein. Donc je crois que le pari va être annulé. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil pour ceux qui me voient pas. C'est dangereux ce que je fais, mais ça passe. Je suis un taré. Bah vous voyez, je devais y aller à cet arrêt-là, j'y aurais été un petit peu avant, c'est pas grave. Apparemment le jeu a le droit de me changer mes arrêts comme ça, donc moi aussi j'ai le droit. Je perds des points à chaque arrêt. 3 minutes de retard. Je voudrais un ticket, bah oui, tant qu'à faire. Semaine. Je sais même plus. Étudiant. Non. Ma connexion n'aime pas le 720p. Ah. Bon, hein, en retard pour en retard. On va essayer de se refaire un petit peu d'argent. Oh non, bah tiens. Et toi là? Non, tu payes pas? Oh. Un objet volant non identifié dans le bus. Le gobelet qui vole. Ce jeu est vachement bien. On est en 2019, mais non. Il y a des gobelets volants dans les bus. Oh, sérieux? Mais on est en retard, là, cocotte. Tu me fais quoi? Allez, bouge! On s'en fout, poussez-vous. De toute façon, c'est bête loose, donc j'ai plus besoin de conduire comme il faut. Je sais pas combien ça m'a coûté, par contre. Trop tard, oui, je sais. En plus, personne descend, personne monte, voilà, voilà. Ça m'énerve. Perd du temps. 4 minutes de retard. C'est un scandale. Enfin, en vrai, les bus, quand ils ont 5 minutes de retard, on fait pas un scandale non plus.
On s'estime heureux. Parce que chez nous, 5 minutes de retard, ça va, c'est pas trop. Ou des fois où ils ont un quart d'heure, 20 minutes d'avance aussi. Ça m'est arrivé une fois. J'arrive toujours à mes arrêts. Enfin, à l'époque où je prenais le bus, j'arrivais toujours un quart d'heure avant. Et un jour, je l'ai jamais vu passer. J'ai appelé, on m'a dit si, il a fait sa tournée, il est passé à cet arrêt-là. Je dis, ah, ben, j'aimerais bien savoir à quelle heure. Il dit, bah, on va vérifier. Je dis, bah ouais, ce serait bien de lui dire que plus d'un quart d'heure d'avance, moi je veux bien qu'il ait de l'avance, mais un quart d'heure, ça fait beaucoup. Ah, j'espère que ça va aller mieux, Burkix. Si jamais ça déconne trop, je pourrais... On a 7 personnes, je pourrais essayer de relancer le live pour avoir le choix de la qualité. En pensant à relancer un enregistrement pour YouTube, bien sûr. Trop tard, sans déconner. Hello. Ouais, mais non, là, pff, sérieux, on est en retard. Jour pour un vieux. Voilà, bah les autres, si vous payez pas, je m'en fous, on n'a pas le temps. Hein. Hey, tu me laisses passer, merci, au revoir. Non, mais. J'ai pas compris ce qu'elle est pas sur cette ligne, hein, mais alors c'est absolument n'importe quoi là. De toute façon, 1 minute 40, on a déjà une pénalité de retard. Bon, par contre, on va se faire un max de fric. On va avoir beaucoup de points en moins pour le retard. Mais par contre, on va se faire un max d'argent parce que vu la taille de la ligne, sachant que j'ai d'autres chauffeurs qui tournent en même temps. Enfin, j'ai un autre chauffeur. Pour l'instant, j'en ai qu'un. D'ailleurs, je sais pas sur quelle ligne il a été mis, mais on le voit jamais. Hein. Alors, ça fait plus de 2 heures qu'on est en live et on n'a toujours pas croisé l'autre chauffeur. Je sais pas ce qu'il fait, il boit son café tranquille à un arrêt. Il est planqué. Il a été mis sur la ligne 1, pourtant on devrait le croiser. Là. C'est ici la ligne 1. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends pas ce qu'on est en train de faire comme... Ayez votre monnaie s'il vous plaît, ça commence à me gonfler là. Allez, clignotant, pourquoi il s'active pas? Oh, il a été validé. Laisse-moi passer. Ah. T'es pas gentil, hein. Et forcément, on a un véhicule qui bloque le passage. Trop tard. Je ne connais pas cet itinéraire. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû cliquer sur le mauvais. Tu veux un ticket? Une semaine, normal. On dirait plutôt une étudiante, elle, mais c'est pas grave. Toi, tu veux rien? Merci, ça fait plaisir. Ah oui, quand il s'active pas, c'est parce que je dois avoir le clignotant droit allumé. Du coup, quand j'appuie à gauche, ça désactive le clignotant dans un premier temps, et après, ça active l'autre. Ça doit être ça. Voilà, j'ai bouffé un trottoir. Ça me l'a pas compté, tant mieux.
Alors, moins de 30 km/h pour pas avoir de problème. Je vais faire tomber un truc de mon bureau, un de ces quatre, avec tout ça. Là. Je regarde qu'il n'y a rien au bord. Bouge, allez, j'ai pas le temps là. La 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 la. Ticket perdant, quel dommage. Trop tard. Ouais, salut. Au revoir. Il n'y en a pas beaucoup qui sont polis. Hein. Oui, bien sûr. Ah, je crois qu'il y a du monde qui voulait monter. Oui. Maniez-vous par contre. Hein. Surprenant. Alors par contre non, on tue pas de piétons, je sais que j'aime bien faire des bêtises dans ce jeu, mais dégommer un piéton ça coûte très 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 cher et c'est un coup à flinguer tous les bénéfices de cette partie, donc non. Déjà que la ligne aura été super longue et bourrée de fail, donc j'espère pouvoir avoir un petit peu d'argent quand même à la fin. Amende, pardon. Non, c'est pas des amendes, hein. Ça fait tout doudoum, mais c'est des... J'ai des points en moins en fait parce que je suis en retard. Semaine senior 2. Thanks. Semaine senior. De rien monsieur, on y va, c'est parti. Oh mais alors vous faites quoi là? Oui c'est ton arrêt, c'est passionnant. Minutes 52, non mais n'importe quoi, ça m'est jamais arrivé. Hein. C'est cette ligne là, elle ressemble à rien. J'ai jamais créé cette ligne. Qu'est-ce que c'est que ce bug intersidéral? J'ai pas compris le délire là. J'ai activé ligne aléatoire. Je sais même pas si ça existe. Et c'est quand le terminus là du coup? Je crois toujours que j'ai fait une connerie, mais en fait, c'est juste parce que je suis en retard. Allez, on se prépare. Oh la vache, ça vaudrait le coup de faire un contrôle, là, quand même. Il y a beaucoup de monde dans le bus. Hein. On va perdre un peu plus de temps, on s'en fout, de toute façon, on aura... Ah, tu voulais descendre, toi. J'avais oublié qu'il était là, lui. Bon, en même temps, il réclame pas la rampe. Oh, il n'y a pas un seul fraudeur, j'hallucine. Allez, file. Cinq minutes de retard. Oui, ton correcteur. Non, non, heureusement que je prends pas une amende à chaque fois que je suis en retard. Eh, chute. Elle est pas nette. Elle est pas honnête, elle. Excellent. On est à l'heure. Magnifique. Freeze. Ah, ça freeze.
Ah, c'est peut-être le jeu qui freeze, hein. Là, j'ai remonté la qualité depuis tout à l'heure parce que c'était trop pourri, là, ce que je vous avais mis. J'ai remonté un peu, c'est un peu mieux, mais ça freeze un coup de temps en temps, hein, désolé. Pourtant, j'ai pas de perte d'image, hein. C'est le jeu, hein. Ça vient du jeu, ça vient pas de vous, ça vient pas de moi, ça vient du jeu. Voilà, du Simulator 2018, je vous rappelle, qui est un jeu quand même plutôt récent. J'ai l'impression que le 16 fonctionne mieux. Alors peut-être il y aura des mises à jour, hein. J'espère. Ma cam aussi elle a frisé. Ah. Oui. C'est peut-être Twitch aussi. Là, ça a l'air d'aller. Oui, si je veux. Ça, c'est pareil. Si c'était plus rapide, hein, sérieux. 5, 6. Qu'est-ce qui sort sa tête? Il est en train de vomir ou qu'est-ce que tu fais, toi? Eh, on se calme, hein. M'obligez pas à descendre. Please leave the bus. Allez, c'est où? On est un peu en retard, je suis désolé, messieurs, dames. Veuillez excuser la compagnie Fate & Co. Pour ce léger retard de 6 minutes. En même temps, on est en France, hein. Voilà. C'est obligatoire les retards dans notre pays, sinon c'est pas normal. Le jour où on aura un train ou un bus à l'heure. Il neigera au mois de juillet. Et je finis mon café avant qu'il soit froid. Et il est froid, Berk! 6 minutes de retard, c'est tout à fait magnifique. J'ai même pas envie de retourner au dépôt. Bim. Oh, 14 arrivées tardives aux arrêts de bus. Bim. 3 étoiles. Et du coup, j'aurais pu passer un niveau, mais c'est pas le cas. On a quand même fait 43 000. Alors, j'ai eu 3 000 euros d'amende pour la collision avec les deux voitures. Mais on a quand même fait, moi et mon chauffeur, 43 000 euros. Est-ce que j'ai mon chauffeur qui conduit, moi? Il est où, mon chauffeur? Conducteur 1. Il est où, mon chauffeur? On a un chauffeur, là. Oui? Andreas. J'avais cliqué là-dessus, en fait. Bah non, j'ai fait ça. Ah, oh zut, il fallait garder l'ancienne ligne, je savais plus. Je savais plus s'il fallait la garder ou pas. Zut, bah on va la refaire. C'était ça et ça. On n'aura pas à la refaire, vous inquiétez pas, faut juste la valider. Voilà. Plus tard dans le jeu, on est obligé de faire les itinéraires qu'on effectue. Donc là, eh ben on n'a pas fait le bon. En fait, c'est celui-là qu'on devait faire, le 4. Alors, on a celui-là, donc c'est le 4. Commencer le trajet. On va d'abord relancer un pari. Alors, c'était bête lose, un gros lose. Voilà, donc, deux gagnants, félicitations. Il est quelle heure? 23h19, ça va, ça nous laisse le temps d'en refaire une. Et on relance un autre pari. Donc, bet win, bet lose, c'est pareil, c'est parti, vous avez 2 minutes pour faire vos paris. Bet win, bet lose, est-ce que je vais réussir ma ligne? Alors, on garde dans les paramètres. Ah oui, vous les avez pas à cause de la caméra. La météo aléatoire. Démarrage rapide, on va le réactiver quand même, ça fait perdre moins de temps. Trajet aller-retour, certainement pas. Ça, j'avais oublié de le décocher, c'est pour ça que ma ligne était interminable. Événement trop tôt, on le garde activé. Activer le mode caissier, oui. Et conduite simplifiée, comme d'habitude. Oh, Kikinette Jolie qui persiste. Je persiste, ouais. Tu persistes à croire que je peux bien conduire.
C'est trop mignon. C'est tellement gentil de ta part. Alors, mon autre bus, il ressemble à quoi? À ça, d'accord. On l'a toujours pas croisé, hein, je vous rappelle. On pourrait peut-être en racheter d'autres, après. Le but du jeu, pour l'instant, c'est pas de racheter des bus. Betwin, merci Chissé. T'es gentil, Chissé. T'es un brave gars. 1000 pépettes pour un Betwin. Félicitations. Félicitations. Pff. Ah, ça y est, je fatigue, c'est mort. Ça va être Betloose. Plus que 35 secondes. C'est foiré, vous pouvez pas modifier vos paris en plus. Je crois pas. Ah si, je crois que vous pouvez changer. Je sais plus. Ah bah si, je vais être obligé de racheter des bus plus tard. Parce qu'il me faudra des... Il me faudra des bus avec des moteurs différents. Moteur au... truc au gaz, je crois, un truc comme ça. Oui, il était bleu, l'autre. L'autre, normalement, c'est celui-là. Noir et bleu. Donc il a le cul bleu, il a l'avant noir. L'intérieur, est... c'est identique à celui qu'on a. Hein. Avec des plaques françaises. Le pari est terminé. Ok, on va se mettre à jouer du coup. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Météo aléatoire. On est souvent en mode aube hein, au final. Donc, aléatoire, mon chien. J'ai pas de chien. J'ai l'autre truc, mais j'ai pas de chien. Alors toi tu montes pour moi, bah si monte derrière si tu veux, je m'en fous, je vais vous contrôler de toute façon. Alors, semaine normale 3. Tu prends 3 semaines, tu peux pas aller dans un dépôt pour ça. Semaine pour un papy. Merci d'avoir votre monnaie, monsieur. Zen Steamy Zen. Oui bah oui, sinon je vais avoir des accidents et ça va pas te plaire. Bah j'espère que t'es à jour, tu viens de me l'acheter. En même temps. Bonjour monsieur. Ah, je peux le contrôler, yes. Ah, quand je peux pas le contrôler, c'est parce que... D'accord, désolé, je l'ai pas vu, tu peux me la remontrer? Ouais. Et la photo de ton chat, elle est où? Ben, je veux le voir quand même. Je sais pas. Encore une fois, peut-être. Hein, je le vois pas. Bon, allez, j'arrête. Bonjour. Allez, je peux pas contrôler les mecs en fauteuil d'habitude, alors s'il vous plaît, voilà, merci, vous allez payer pour les autres. Voilà. Vous avez le droit de vous asseoir, vous paierez pas plus cher. Voilà, bonjour monsieur. Faudrait peut-être vous raser un peu quand même, parce que... Hop. On y va. Bonne route les amis. Ah oui, si je remballe pas la rampe. Salut Pepup, t'as déjà fini? Bienvenue sur Bus Simulator, je fais n'importe quoi. Je sais pas si... Oh si, on pourra peut-être refaire un autre pari tout à l'heure. En attendant, il y a un max de pépettes à se faire ce soir avec les paris. Il y en a qui ont trouvé le filon. Ah d'accord. T'avais commencé à quelle heure? Hey, thank you. 10 secondes d'avance. Ouais, regardez-moi ce monde qui attend là. Voilà, ça commence bien, simple, normal. Alors je me concentre, hein. Je lis pas le chat. Je me concentre. Ouais, merci, ok, d'accord. Il t'en faut deux en plus. C'est bien, ils ont leur monnaie, c'est gentil. Personne monte? Ah, ils attendent un autre bus peut-être. Allez, on y va. C'est par là. Passager oublié, bande d'enfoirés! Pourquoi vous êtes pas monté? Qu'est-ce que c'est que ces bugs ce soir là? J'ai jamais eu autant de bugs. Eh, hey, t'avances toi peut-être? Bon bah. Félicitations aux Betloose. J'ai oublié des passagers, j'ai fail à ma mission.
J'ai eu des points de retirer pour avoir oublié des passagers, donc c'est un bête lose. Ah, un feu rouge aussi. Ah 20h40, d'accord. Alors j'ai eu une notif sur YouTube pour dire que tu faisais un live, mais je connais pas le jeu que tu faisais. Donc... Yeah, with some strange dialogue just to fill the silence. Je l'ai eu 5 minutes, 20h40. Ah oui. J'ai vu 5 minutes avant de commencer, je me suis dit ah, qu'est-ce que je fais, j'ai fait un coucou et puis genre non, si je reste trop longtemps à parler, je vais être en retard. I hate the commercial breaks. Mass Effect. Ah, je connais pas. Oh, je connais pas cette rue. Est-ce qu'il y a des nids de poules ici? Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai fail. Donc, on n'est pas à un nid de poules près. Ah, par contre, il y a. Ah, merde, 31. Oh, c'est passé. On a dû descendre à 30 piles au moment où je l'ai passé. Loser toute la soirée. Quoi, ah oui, je croyais que c'était mon arrêt. J'allais dire non, mais c'est quoi toutes ces voitures? Normalement, il n'y en a qu'une. Je fais trop de bruit. Oui, oui, je t'ai vu, t'inquiète pas. Oh, ce monde! Oh, merci, monsieur, vous êtes gentil. Alors, ça, ça va demander des tickets. Hello! Oh, des gens polis. C'est tellement. Ah! Ah oui, il faut attendre un petit peu, Pepe. C'est 30 secondes. T'as été un petit peu trop juste. Hop, c'est bon. Ah, il voulait peut-être descendre, le monsieur, là-bas. Non, c'est bon. Par contre, non, je veux pas y aller en marche arrière. Allez, ok. On va essayer de rouler quand même correctement. C'est pas parce que j'ai fait un bête loose que je vais... Je vais flinguer mon bus. Ah bah tiens, nid de poule. Allez hop. Qu'est-ce que je disais? Non, rien. Va te coucher. Allez, regardez-moi ça, deux d'affilée. Et c'est souvent ici, hein, dans ce jeu. Il y a des routes où vous allez avoir 2-3 nids de poule d'affilée. Ouais, c'est bon, j'en ai passé un. Et bon. Eh ben non. Encore un là. Elle est vraiment très mal entretenue, cette rue. C'est bon, ça passe. Nickel. C'est parti. Je m'en sors mieux sur le let's play pour l'instant. Hein. Je fais moins de conneries. Mais je savais bien qu'en live, le fait de vous parler, d'être déconcentré par le chat, ça va, vous êtes pas trop bavard ce soir. Vous me déconcentrez pas beaucoup. Comme dans les films, quand ils conduisent, ils font ça. Pour montrer qu'ils sont en train de conduire. C'est là que tu vois qu'il y a un fond vert derrière. Hein. Si tu fais ça en vrai... Allez. Later. Mais ouais, t'as vu ça, mamie? Au revoir. Non? Ah, au revoir. Bien sûr. Thank you. Ah, ah, les retardataires. Les voilà, j'ai failli les oublier. Allez, petit contrôle rapide. Il y en a un qui a hésité. Ah, qu'est-ce que je fais? Je prends un ticket, j'en prends pas. Toi, je sais plus. Ah, toi, tu voulais descendre du coup. Ah, zut, c'est pas ça. In last week's episode, they finally revealed that Hans has a twin sister, Christina. Christina. Allez, c'est parti. On a un tout petit peu de retard, mais ça devrait pouvoir se rattraper. Ouais, 3 minutes, ça va être bon. J'aime bien quand les arrêts sont bien séparés les uns des autres. Ne faites jamais ça en vrai. Préférez bousiller vos amortisseurs plutôt que de faire ça. C'est beaucoup trop dangereux.
J'ai plus de retour de force, c'est absolument incroyable quand ça me fait ça, que ça dé... Ce jeu est vraiment très mal optimisé. Il y a des rues comme ça où bah, mon volant va désactiver le retour de force et il va s'activer que quand je mets le clignotant. Je joue à Euro Truck Simulator qui est quand même un jeu qui est beaucoup plus vieux que ce jeu-là et j'ai absolument aucun problème avec, avec le volant. C'est dingue. Hein. 2 minutes 37 d'avance, bah, pas pour longtemps à mon avis. Oh bah dis donc. Des fois ça marche pas le klaxon. Hein. Je peux klaxonner autant que je veux, il bouge pas. Hein. Toujours pas de retour de force. Toujours rien. D'accord. Ça bug. Ça bug de ouf ce soir. C'est n'importe quoi. Et les tickets sont perdants. Décidément, c'est une soirée pourrie pour tout le monde. Le week-end commence bien. Tout le monde va aller se coucher de bonne heure. Oh bah tiens, ça m'apprendra à regarder où je vais. 1000 euros, allez hop. Bon, si on n'avait pas fail, on l'a fait à deux arrêts de la fin. C'est dommage. Non, on va s'en refaire une dernière. Je vais essayer de rouler correctement. De toute façon, on va avoir un dernier truc à faire pour valider les objectifs de ce soir. Et ça devrait être bon. Ah, j'ai refermé la porte aussitôt, dis donc. Est-ce que j'ai un fauteuil? Non. Tout le monde monte par derrière. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas ouvert la porte avant. Ah, mais tout va bien ce soir. Bravo, Steamy. Et j'ai un peu d'avance, donc je vais pouvoir contrôler les fraudeurs qui sont montés à l'arrière. Ça, c'est bien pour forcer les gens à frauder. Vous pouvez ouvrir que la porte arrière. Ils vont tous monter par derrière et après, vous faites contrôle. Ouais, mais vous m'avez... Mais je m'en fous. C'est pas grave, je le revérifie quand même. Je suis quelqu'un de très maniaque, je revérifie toujours les choses plein de fois. 40 secondes, c'est bon. On part pas trop tôt. Voilà, j'avais 2 minutes d'avance, il fallait bien que je m'occupe. Encore un ticket perdant. Avance. Avant que je m'énerve. Non, non, mais avance quand même. Avance. Il appuie sur le bouton en disant je veux descendre, mais c'est le terminus, t'es obligé de descendre. Ah, notre copain! Alors, c'est marqué dans les trucs que quand. Eh! Vas-y, crache dans le bus, t'as raison. C'est marqué dans la description du jeu que quand on fait des appels de phare à notre collègue, on est censé avoir des points, mais on les a jamais. Non, j'espère sérieux qu'il y aura des mises à jour pour améliorer ce... tout ça, hein, parce que franchement. Quelqu'un a abandonné des déchets. Mais oui. Et c'est bon. Et ben on valide. Alors, félicitations aux Betlouz. Un seul gagnant. Waouh. Qui c'est qui avait eu confiance en ma conduite? Eh, hey, on a débloqué une nouvelle décalcomanie, deux nouvelles décalcomanies et une nouvelle couleur, la couleur de ma chaîne, presque. Oh, ça va, j'ai pas fait beaucoup de bêtises. Hein. GG Nassim. J'avais dit que je relancerais le live pour la qualité, mais bon, il reste qu'une demi-heure, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous me le dites au pire. Avant qu'on relance un nouveau truc. On en est où là? Ah, je crois qu'on a tout validé. Ah zut. Utiliser plusieurs conducteurs pour générer... Ah, j'aurais dû le faire avant. Eh ben, on va pouvoir valider tout ce soir. Donc on a deux bus, on va en racheter un troisième. Alors, magasin.
Acheter. Bah tiens, on va essayer le nouveau là, le Cetra machin tout moche là. Acheter ce bus. Voilà, on va le personnaliser quand même parce qu'il est vraiment très très moche. Mon dieu qu'il est moche. Ouh là là. Et il est vraiment très très long, donc là, celui-là, ça va complexifier un petit peu la conduite dans les virages. Alors, on va le mettre tout noir. Je dirai pas la suite parce que je sais pas si les enfants nous écoutent toujours. ah, j'aurais bien aimé avec ça. En noir avec le truc vert clair, ça fait super joli. Là, c'est pas trop trop mal. Ah, il est pas dégueu en laissant sur les carreaux, ça va. Du coup, ok. Est-ce qu'on peut mettre de la pub? Toujours pas. Pas encore, je veux dire. L'intérieur, on peut changer l'intérieur ou pas? Non, on peut pas changer l'intérieur. On peut mettre des décals comme animé, on s'en fiche. On va mettre une plaque française. Appliquée. Et on va embaucher un chauffeur. Myriam, tiens. Aime regarder les dessins animés, a toujours les pieds glacés, a tendance à être ronchon avant d'avoir bu son premier café du matin. Bah tiens, on est parti râler ce soir, on va prendre une ronchonne et on va l'affecter à la ligne 5. Je fais laquelle? 1, 4 ou 5? Vous voulez que je fasse laquelle pour ce dernier trajet? Quelle ligne je fais? Je vous laisse choisir. Un petit peu, je vous laisse participer, un petit peu, ça va vous réveiller avant la fin de ce live. Il est au dodo, d'accord. On fait la 5, pas de soucis, c'est mon chiffre préféré. Donc on va mettre, comment elle s'appelle la nouvelle? Myriam. Myriam, salut Mimi. Ça m'étonnerait qu'elle me regarde. Elle sait même pas que je fais des lives, donc... Alors, ça, sur un Citaro, nous on va essayer le Mercedes, il est bien. En plus, il n'a pas la même puissance de freinage, donc tout est bien parti pour un bête loose. on va désactiver l'événement trop tôt, parce que de toute façon, je ne sais même pas si j'arriverai à avoir de l'avance. Mais quoi qu'il arrive, si j'en ai, j'aimerais bien le garder. Voilà. On va pas le faire en boucle. Parce que sinon ça m'oblige à revenir au premier arrêt. On va pas le faire en aller-retour parce qu'on n'aura pas le temps. Il est quelle heure? 37. Ah, quoique, il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Non, j'ai dit je vous fais un peu d'itinéraire libre après. Donc on va faire comme ça. Simplifié, aléatoire, démarrage rapide. Excellent. Commencer le trajet. Oh merde! Non, pas commencer le trajet. C'est pas grave. Bon, bah voilà, ça change que dalle. Et bah, je vais aller me stationner et on va lancer un pari. Y a pas de souci, j'ai tout mon temps pour le premier arrêt. La ligne ne commence que. Oh là 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 là, c'est vrai, je suis pas sur le même bus. Ah, bah si. Bon, bah, on recommence alors, comme ça, c'est réglé. Je me suis planté de bus. Donc on avait dit que nous on faisait la 5, en plus j'avais sélectionné la 4. Donc résultat pour... Allez, c'est parti. On va lancer un pari. Donc point d'exclamation bet espace win, W-I-N ou espace lose, L-O-S-E. Vous avez 2 minutes. Alors plus une mise bien sûr, entre 100 et 1000 pépettes. Point d'exclamation bet win, lose, plus une mise. Ah, Kiki Net Jolie qui persiste de plus belle. Nassim et Chissé qui ont tout à fait. Merci, Pepup. Ah, oh, la confiance règne là-dedans. Mes viewers sont du. Vous êtes adorables. Allez, faites vos jeux. Il reste encore 1 minute 20. Quitte à perdre. Un petit classement du pari pour la prochaine minute. On m'a dit que c'était de l'argent facile. C'est tout à fait ça, t'as tout compris.
Alors, il y a 10 fois la mise à récupérer en cas de gain. Et en cas de perte, bien évidemment, tu perds tes 1000 pépettes. Alors, le classement actuel, pour les 40 prochaines secondes, ça devrait aller. Alors, Chissé est toujours en tête avec 489 980 pépettes. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à un cadeau parce que ça monte plutôt. Enfin, t'es loin des 1 million encore. Mais ça monte. Nassim est à 300 955, suivi de Lordian avec 283 000. Kikinet Jolie. Toujours en quatrième position avec 277 158 pépettes. Suivi de Ted, de FFZOS, du Petit Kilou, de Ghost, de Svet, de Active Energy. Suivi de AK, de Burkix. Normal Burkix, hein, puisqu'il est modérateur maintenant. Il n'a plus le droit d'utiliser ses pépettes. Il doit même en redonner un petit peu. Les paris sont terminés. Voilà, ça donne de l'argent. Voilà, Burkix qui a encore voilà, quelques pépettes à distribuer à nos chers copains. Et c'est parti, on commence le trajet. Ah oui, bah, je le reconnais bien, cet horreur. Le bruit est différent, l'intérieur est différent. Et on m'a pas validé mon clignotant, super, ça commence bien. Alors, ah bon ? Eh ben dis donc, vous êtes pas difficile, ça va. Alors je te redonne 1,40€. Alors on profite que le premier arrêt, on n'a pas de limitation de temps et on va contrôler tout le monde. Voilà, ça c'est pareil, c'est de l'argent facile pour moi, des fois il y a des fraudeurs. Bah là, pas de pot, il n'y en a pas. On peut visiter un petit peu le bus, voilà, sympathique. Hein. C'est plus un quart. Pour moi, ça, c'est un quart. Voilà. C'est de toute beauté. Voilà. Chacun se fait son opinion. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, on n'est pas là pour aimer notre outil de travail. On est là pour travailler, justement. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. On y va. Alors, il faut que je pense que j'ai un bus qui est plus long. Plus lourd et que du coup c'est pas les mêmes distances de freinage, c'est faut que je prenne mes virages un tout petit peu plus large. Normalement je le maîtrise plutôt bien aussi celui-là. Hop là, c'est un peu chaud là quand même hein. Ah ça rame. Bah tu m'étonnes en même temps. Si je suis pas ponctuel alors que j'ai deux mètres à faire. Alors, simple, étudiant. 1, 2, 20 centimes. Ouais, semaine, normal. 2 euros. Hey, salut à toi, cher nouveau. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas te plaire chez nous. Alors, par contre, on parle français ici. J'espère que tu es français, sinon tu vas pas pouvoir parler. Du coup, hey, pourquoi ça? Voilà, mon retour de force qui est encore désactivé, c'est désagréable. Arr. It's a French live. Voilà. Après un russe, un anglais. Pourtant, j'ai précisé que je voulais que le chat soit en français. Pourquoi c'est... Il y a un bug de Twitch, en fait, là, clairement. So we, man. Bye bye. Alors, simple, normal... Ah, c'est bien, vous avez votre monnaie, ça fait plaisir. Simple, étudiant. Oh non, sérieux, des bouchons. J'aime pas les bouchons. J'aime pas les bouchons, surtout que j'ai pas le temps, là.
Alors on va monter doucement sur les trottoirs, sinon ça, ça leur plaît pas. Mais normalement, on me laisse passer. Wow! Laisse-moi passer, j'ai dit. Yes, ça passe. Oh, le tricheur que je suis. Mais en attendant, je suis pas en retard. Et on aura peut-être l'occasion de faire gagner Kikinette. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné Kikinette, mais je fais de mon mieux. Bah, nice bus, ouais, si tu veux. Il y a quelqu'un qui dort. Alors je te disais, Kikinette, on n'a pas fait d'erreur pour le moment. Mais voilà, il n'y a rien de gagné. Ah, celui-là, il est activé. J'ai senti les vibrations. Je crois qu'il y en a un autre par là. Oh, je vois rien. Il est vraiment... Ah, si, il est là. Normalement, il n'y en a pas d'autres. Si mes souvenirs sont bons. Vu que j'ai pas une mémoire infaillible. Je te surveille. Ça le fait pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'arrêts à faire. On n'est pas en retard. Ça sent bon. Ça sent bon. On va faire perdre tout le monde, t'inquiète pas. Eh ben décidément, il plaît ce nouveau bus. Jour étudiant 2. J'ai dû lui redonner 2 euros de plus au lieu de 20 centimes. C'est pas grave. C'est pas grave. On y va. Oh, je déteste ce bus. Il est vraiment très moche. Et en plus, il est super chiant à conduire. Nid de poule. La tronche que je dois tirer quand même. C'est épique. Alors, il n'y a pas que Pepep qui sursaute dans Subnautica. Il y a moi aussi sur Bus Simulator. Dès que je vois Nid de poule, je fais des grimaces. Qu'est-ce que je rigole à chaque fois que t'as peur? Je suis mauvais, moi je suis tout le temps en train de me moquer. J'en parlais à ma nouvelle collègue aujourd'hui, je lui ai dit faut pas te vexer si je me moque, hein. Je suis tout le temps en train de le faire. Banana, oui. Oui, c'est bon, on a compris. Oh, ça va le faire, Kikinette, ça va le faire, on n'a plus qu'une ligne droite. Je dis rien, on n'est pas à l'abri d'un freinage brutal qui finit en accident. Genre là. Ils freinent n'importe comment les gens ici. Oh look, ça m'énerve. Eh, les bruits sont chelous quand t'écoutes avec le casque en plus. Hein. T'entends des bruits derrière. C'est vachement bien fait au niveau du son. Les sons sont bien flippants. Si c'était le but, c'était le but du truc, c'est bien fait. I think I'll need several tickets.
Mais bien sûr, monsieur, il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé, j'ai de l'avance. Je vais même vous rendre 6,40 €. Voilà. Please. J'attends. Please. Non? Non, alors pas semaine, c'est simple, normal. One ticket, please. Semaine, vieux. On rend 1 €. C'est bon? Contrôle! J'ai le temps. Messieurs, dames, vos tickets, s'il vous plaît. Madame, monsieur, madame. Allez, bim! Fallait me faire confiance, les gens. Ce live se termine en beauté. Non, ne regarde pas le chat. Ah, t'as eu peur, hein. Je suis sûr que t'as crié devant ton ordi. Non. Ah, je te connais trop. Oh, on a oublié de faire des appels de phare aux copains. C'est pas grave. Allez, on va retourner jusqu'au dépôt quand même, histoire de donner une chance aux bêtes loose. Ça veut dire que t'as crié. Alors, on va vérifier qu'il n'y ait pas eu de déchets quand même dans le bus. C'est bon, ça me paraît bon, ça paraît bon aussi. C'est bon aussi, j'ai cru voir un truc sur le côté. Non, c'est la trappe. Ok, c'est bon, tout va bien. Les gens sont propres aujourd'hui, c'est magnifique. Attention, je passe. Merci. Et on va finir ce live avec 10 minutes de conduite libre, histoire de vous faire rigoler un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas ma façon de conduire en mode libre. Alors attention. Yeah, le dépôt est juste là, il y a les grosses flèches blanches. C'est... Chacun aura eu sa chance hein, quand même, parce que là franchement, voilà, c'est pas faute d'avoir fait des erreurs. J'ai réussi à faire un trajet sans encombre. Félicitations à Kiki et Jolie. Enfin, mon trajet n'est pas fini. Je vais valider le Betwin une fois que je serai sorti du bus et qu'on aura vérifié que j'ai fait aucune erreur pendant mon trajet. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus long celui-là. Qu'est-ce que ça va être avec un bus articulé? J'espère que vous serez là. On coupe le moteur, on sort et on se casse. Tadam! Allez, salut mocheté, je suis pas prêt de te reprendre. Ding ding ding. Voilà, il n'y a pas de rouge. Il y a du rouge nulle part et on a fait un bénéfice de 15 881,20 €. Le salaire et l'entretien des bus nous a coûté quelques euros quand même. GG Stimmy et GG à ceux ou celles uniquement. Oh zut, pardon! Non! Alors stop! J'ai mis de bête. Alors stop. Je vais retirer. Mon modérateur est-il toujours là? Il faut retirer les pépettes que je viens de donner. Donc il faut retirer 10 000 pépettes à Nassim. 10 000 à Pepep. Et les mettre à Kikinette. J'ai fail complètement. C'est Ad. Kikinette.
Voilà, et pour retirer, c'est remove, je crois. Alors, c'est C-. Voilà. Alors, Nassim. Voilà. Pourquoi on me retire ? Bah parce que je t'ai validé un pari qui est perdant à la base. Je l'ai validé gagnant alors que c'est perdant. Et vu que je peux pas revenir en arrière, et bah je suis obligé de retirer les pépettes que je viens de vous faire gagner. Par contre, Chissé. Et salut Dragon, bienvenue. On va pas tarder à s'arrêter, il reste encore 5 minutes de live. Et il reste Pepup à débiter. C'est remove 10 000. Oui, bien sûr, c'est remove 10 000, mais à qui? Oh, je fatigue. Mes pauvres enfants. Voilà, désolé pour ce désagrément, on perd du temps en plus, c'est complètement con. Hop. Alors, félicitations à Kikinette Jolie qui a remporté ce pari. Voilà, alors pour les autres, l'argent facile, c'est maintenant. Voilà, donc on fait un dernier pari, le dernier de la soirée. Bet win, bet lose sur est-ce que... Alors, en conduite libre, c'est-à-dire que... Alors, je vais commencer par préparer mon itinéraire pour vous montrer. On prend... on va mettre conduite libre. C'est où? Itinéraire libre. Voilà. En gros, je vais monter dans mon bus et je vais avoir absolument aucun trajet à faire. J'ai toute la ville rien que pour moi. J'ai absolument aucune contrainte, aucune amende. Aucun frais en cas d'accident ou quoi que ce soit. Et je vais relancer un pari pour vous dire est-ce que je vais conduire prudemment comme je viens de le faire et dans ce cas faire un bet win ou tout simplement faire un bet lose et conduire comme un cinglé notoire que je ne suis pas. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. L'argent facile, c'est maintenant. Bet win, je conduis prudemment. Bet lose, je conduis comme un taré pendant les 2 minutes qui restent. Allez, argent facile, c'est parti. Vous avez 2 minutes. Enfin, vous avez 2 minutes. Oui, bah du coup, on va dépasser un tout petit peu minuit. Il n'y a pas de souci. Et puis après, on ira peut-être chez FFZOS. Est-ce que FFZOS fait un live ce soir ? Est-ce que mon copain Nassim peut me dire? Peut-être tu es au courant. Kikinette Jolie, pourquoi 500? Je t'ai dit argent facile. Ah, c'était les pépettes cadeaux. Ah, d'accord. Bon, on ira faire un petit raid chez FFZOS à la fin de ce trajet. On va vous faire visiter un petit peu la ville, tranquillou. Tranquillou bilou. Avec le bus bleu, tiens. Il est où le bus bleu? Il est là. Zelda 3. Ah, ça change. En randomizer. Ah, peut-être il a réussi à activer le fait qu'on lui met les trucs dans le chat, non? Je capte pas tout non plus là. D'accord. Bah là en fait, je vais conduire je peux pas me prendre d'amende, je peux pas me prendre de quoi que ce soit. Et je disais juste aux gens, bah est-ce que je vais est-ce que je vais bien conduire ou pas? Je sais pas. Eh ben écoute, on verra, on va aller faire un tour chez lui. Juste après, encore 20 secondes pour faire vos paris, bet win, bet lose, plus une mise, entre 100 et 1000 pépettes. Pour les quelques viewers qui nous ont rejoints, bienvenue à vous. N'hésitez pas à faire des hosts pour avoir 1000 pépettes cadeaux. Surtout qu'on arrive en fin de live, donc voilà, si vous voulez faire un... Si vous voulez pas me hoster, vous pouvez le faire quand même, pour 2 minutes à mon avis. Voilà. Le pari est terminé. Allez hop, on arrête, on lance le trajet. Normalement on commence, voilà, depuis là, vu que c'est en trajet libre. Pshut. Allez go. Bonjour. Alors, cloc cloc.
Cloque, cloque. Le limiteur de vitesse illimité. Tac, tac, tac. Et on y va. Pshh, je crois qu'il fait nuit. Si j'enlève pas ça. T'as encore un peu de temps, d'accord. Mais éventuellement tu me préviens. Ah, il pleut. Vous allez pouvoir voir la pluie. Non, alors voilà, bah, quand j'appuie sur le klaxon, ça désactive. Ça active plein de trucs. Enfin voilà, ça. Ça active. Et le. Et la rampe et le frein de parking et le. Ah oui, j'ai plus les essuie-glaces. Comment on met les essuie-glaces? Essuie-glace B, d'accord. On va partir par où? Quel coin de la ville vous connaissez pas encore? On va partir à droite. Allez, attention au trottoir. On y va. On fait attention, il pleut, ça va être glissant. Faut savoir que tout le monde a fait Betwin quand même, donc au bout d'un moment... C'est quoi le limiteur là? Hop là! Pardon monsieur. Le parapluie c'est au-dessus de la tête normalement. J'aurais dû te rouler dessus pour ça. Limiteur de vitesse. On a tous fait Betloose. Ah bon? Ah oh, bah j'ai vu Betwin, moi je suis désolé. Hein. Tant pis pour vous. Hein. J'avais l'intention de bien rouler moi ce soir. Voilà. On est prudent aujourd'hui. On est prudent. Bonjour messieurs dames. Tiens, j'aurais bien essayé de les prendre. Normalement, ça marche pas, mais bon. Pchit. Alors, on va passer par où? Quel coin de la ville vous avez pas encore vu? Pour ceux qui auront pas envie de revenir sur les prochains lives de Bus Simulator, bah au pire, vous irez voir les let's play si ça vous intéresse. Alors, j'ai une semaine de vacances, là, pour ceux qui savent pas. Donc là, ce week-end, bah, demain, tournage d'Oni, hein, comme d'hab. Dimanche, le live. Et puis, la semaine prochaine, on se fera... je vais essayer de tourner des épisodes tous les jours. Même si c'est un ou deux, je les publierai pas systématiquement. On va commencer une nouvelle série sur Craft the World. Parce que ça intéresse personne en live, mais peut-être que ça pourra intéresser les gens sur... Sur YouTube, il y a des nouveaux trucs qui ont été ajoutés au jeu, c'est plutôt sympa. Donc je vais essayer. Voilà, sachant que Planète Base est terminée. Voilà, j'ai fait un rage quit. J'en ai marre de voir mes colons mourir, d'avoir des problèmes d'électricité toutes les 3 secondes alors que tout va bien. Il y a personne là? J'aurais bien essayé de prendre des gens. Mais normalement, il y a personne. Alors, pour l'instant, on est toujours sur du Betwin. J'ai pas été flashé en excès de vitesse. Je vais ralentir, d'ailleurs. Le but du jeu, c'était de faire attention à ma vitesse aussi. Ça, c'est comme en vrai, en fait. Je mets toujours le limitateur de vitesse sur ma voiture. Et ben, quand je le mets pas, je m'en rends compte au bout d'un moment que je suis... C'est bizarre, j'ai l'impression que je roule plus vite que d'habitude. Et quand je regarde, ah oui, quand même. Heureusement que je m'en rends compte assez rapidement. Mais un jour, ça va me tomber dessus, je vais me faire flasher ou... Enfin, flasher. Je vais me faire choper par les flics à être en excès de vitesse. Et même si c'est sur 20 mètres, ils vont pas chercher. Tu refais ETS. Ah ouais, il y a de fortes chances. Je pourrais peut-être faire un... alors, d'après mes souvenirs, t'es québécois. Je pourrais peut-être faire un live l'après-midi. La semaine, je sais pas. Peut-être un live d'après-midi. Je sais pas du tout quelles sont vos disponibilités pour un live sauvage ETS. Mais pourquoi pas, ouais. Dimanche, on va être sur Rimworld, hein, je pense. Je vais peut-être pas faire deux lives. Tiens, allez hop. Bon, bah c'est fail. Hein. Ah, celui-là était pas activé.
Voilà, bonjour, attention, je passe, pardon, poussez-vous. Poussez-vous, je passe, t'as mis la musique trop fort en plus. Bonjour. Tiens, bonjour, tu vas trop vite. On n'est plus à un feu rouge près, hein. On vient de tuer quelqu'un quand même. Hein. Allez, je vous fais visiter un petit peu. Et dès que FFZOS commence son live, et ben on s'arrête. Allez, Flash. J'espère que vous avez fait un beau sourire sur la photo. Ouais, mais c'est nul pour vous faire visiter la ville. Il fait pas beau. Ah, c'est dommage, je vais être obligé de refaire un live dessus. Ah, oh bah ça alors, on a grillé un feu rouge. Et on vient de percuter une voiture, je crois. Je l'ai senti sur mon volant. Pardon, madame. Ah, bah faut être plus rapide que ça. Ça fait un peu penser à du GTA. Sauf que dans les nouveaux GTA, on pète le véhicule. Faudrait bien. Non, ce serait quand même un petit peu exagéré d'acheter GTA juste pour faire le con dessus. Mais franchement, ça pourrait être un truc à faire. Bon, je vous fais visiter vite fait, hein, voilà. Là, il y aura moyen de faire une belle ligne avec un bus articulé. Les virages sont pas trop serrés, tout ça. Je pense qu'on aura moyen de faire un beau truc. Par là, on doit avoir la cathédrale, tout ça. Je vais aller vous faire... Allez vous faire voir. Ça spoil, hein, sur YouTube. N'hésitez pas à couper la vidéo maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler le paysage. On peut casser les... Ah non, c'est nul. Je voulais dire, est-ce qu'on peut déloger les voitures qui sont stationnées? Bah apparemment non. Alors, on met le clignotant quand même, on n'est pas des bêtes. Oh, bonjour monsieur. Ah, c'est une sens unique, d'accord, pardon, je fais demi-tour. J'avais pas vu le sens interdit, désolé. Allez, bloum bloum. Waouh. J'avais oublié que mon volant réagissait. Il a fait un tour complet le machin. C'est un coup à se faire arracher un doigt ça. C'est violent. Enfin, c'est pas fait pour être malmené comme ça. Il va pas me faire long feu ça, cette allure là. Ça va, c'est garanti. Bon, enfin, si c'est... S'ils arrivent à voir que c'est parce que j'utilise en mode bourrin. Enfin, en même temps, s'il y a ce genre de truc là, c'est fait pour être utilisé. Hein. Et justement, je suis sûr que si je le branchais en jouant à GTA, à mon avis, il tremblerait beaucoup plus que ça. Bon, bah, on va s'arrêter là. J'arrive pas à me rappeler où est mon dépôt. En tout cas, il est carrément pas par là. Et puis de toute façon on voit rien à cause de la pluie. Wow, ça tremble. Oh. Allez, pardon monsieur. Pardon, pardon, je vois plus rien. Au secours. Allez, on va se garer gentiment. Et je vous... Mais pardon, j'ai dit. Ouais, non, c'est pas grave. Allez, on arrête là. On arrête le massacre. Voulez-vous abandonner le trajet? Bien sûr que oui. Et félicitations à vous tous. Vous remportez tous bah, presque 10 000 pépettes, sauf Kikinette Julie qui n'en remporte que 5 000. Voilà. On va faire un rapide rappel. Allô? Alors, rapide rappel du classement, actualisation. Je peux débrancher ça. Alors, Chase est toujours premier avec... Oula, pardon. Avec presque 500 000, t'es à 498 900.
80 pépettes. Suivi de Nassim avec 914 955, suivi de Kikinette Jolie avec 291 000. T'es à la traîne, Kikinette, hein, 291 358, etc., etc. Ensuite on a Lordian, TDFF comme d'habitude, mais les autres sont pas là, donc c'est normal que ça bouge pas. Petit classement pop-up à remonter, t'es à 79 700. C'est bien, hein, t'es arrivé quand toi? T'es arrivé la semaine dernière ou il y a 15 jours peut-être? Ça monte, c'est bien. C'est bien. Je rappelle quand même que le premier arrivé à 1 million aura un cadeau. N'hésitez pas à me suggérer des cadeaux parce que du coup, je sais toujours pas ce que je vais vous offrir. Peut-être je pourrais essayer d'aller me reprocurer un Lemmy. Est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un? Je sais pas s'ils en auront encore. Il faudrait que je retourne faire un tour au zoo. Si quelqu'un... Alors du coup, pour l'instant, ce serait Chissé. Est-ce que ça t'intéresserait de gagner un petit Lemmy? Il est tellement doux. On va prendre la poussière ici, le pauvre. Faudrait que je trouve un truc. Voilà, je te recoiffe bien comme il faut, pardon. Éventuellement, ça pourrait être sympa à faire gagner, ça. Un cadeau, voilà, qui coûte pas super cher. D'ici le million, tout peut arriver. Voilà, c'est ça. Ah bah tu seras peut-être plus en tête du classement, hein. Il y a la bataille entre Nassim, Kikinette et Chissé. Kikinette, t'es quand même carrément à la traîne, hein. T'as presque 200 000 d'écart avec Chissé. Va falloir arrêter de tout dépenser à la machine à sous. Allez, bah du coup je vais fermer mon jeu pour pouvoir aller faire un tour sur le live de FFZOS qui a dû commencer quand même, j'espère. Et je vais vous donner vos pépettes maintenant. Alors, c'est ad. Je vais noter direct. Alors, vendredi, dimanche, on sera sur du RimWorld. Donc, RimWorld qui est actuellement pareil dispo sur Instant Gaming. C'est ad IG, oui, bien sûr. Pour la somme de 29,48€. Il est encore cher, hein, RimWorld. Depuis le temps qu'il est sorti. Mais ça reste un bon jeu. Hein. Ça reste un bon jeu. Combien je vous offre? Allez, donnez-moi des chiffres. Donnez-moi des chiffres dans le chat. Je vais m'en servir pour faire le montant de ce soir. Moi, dodo, bisous à tous. Bah, attends ton bonus, peut-être, non? 9-9. D'accord, 9-9. Suivi de... Allez, il m'en faut encore 3. 9. Oh. Quelle idée d'aller vous demander des chiffres maintenant que vous savez à quoi ça sert. Ça marche plus ma technique. 9. 9999. Allez, je vous en offre un. Celui qui sera en premier, ce sera pas un 9. Ouais bah attendez. Allez, je suis un ouf, mais j'ai vraiment intérêt à trouver un cadeau à faire gagner. Alors bien évidemment, ce très cher Burkix aura la même somme à redistribuer lors du prochain live. Donc on est à tac 9 9 9 9. Hop, alors ça pour dimanche ici, que je puisse voir à l'avance combien je vous donne. Tadam! Voilà. Ah bah oui, tu passes carrément les 500 000 là. Je viens de vous donner à tous 80 000 pépettes. J'ai jamais été autant généreux de toute mon existence. Enfin, de toutes les existences de la chaîne. Merci Stimmy, bon live. Mais merci à vous en tout cas. J'ai adoré l'ambiance sur un jeu comme Bus Simulator. Ça fait vachement plaisir d'avoir une bonne ambiance comme ça.
sur des jeux qui sont pas très très interactifs avec le chat, hein, parce que faut le dire. Je sais pas, est-ce que vous ennuyez pas un petit peu trop là Alors, FFZoz a commencé, c'est bien. On va pouvoir aller lui faire un raid. Donc pour tous ceux qui connaissent pas FFZoz, il aime bien les jeux rétro. Donc en ce moment il fait du Zelda en randomizer. Donc apparemment c'est toujours la même map, mais c'est jamais les mêmes trucs au même endroit. Et apparemment voilà. Donc bah n'hésite pas à me redire aussi Dragon, j'ai un Discord hein, si ça t'intéresse. T'as le bouton en dessous. Mais de rien Pepep. Et j'espère que je pourrai être dispo sur ton prochain live. Voilà. J'en fais pas tout le reste de la semaine, il n'y a que le vendredi et le dimanche. Donc voilà. Si t'es. Alors. Discord pour ceux que ça intéresse. Hop, voilà. Vous pouvez me rejoindre ici et éventuellement, n'hésitez pas à proposer des lives. Alors, si ça vous intéresse Euro Truck Simulator ou American Truck Simulator, pareil, il y a tout à fait moyen de se faire ça. Par contre, ce sera en live sauvage et ce sera la journée à partir de lundi. Donc lundi, mardi, mercredi ou jeudi, selon ma disponibilité, bien sûr. Allez, je vais lancer un raid. C'est chez FFZeuz. Et bien sûr, sur YouTube, je vous laisse la petite musique de fin, comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc slash raid FFZeuz. Merci infiniment à vous d'avoir regardé ce live. Merci à vous, très chers amis sur YouTube, d'avoir regardé la rediffusion. Merci pour les follow, merci pour le sub, merci pour tous les hosts. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre participation à ce live ce soir. Et je vous dis à demain sur Oxygen Not Included en Let's Play et à dimanche en live pour du RimWorld. Allez, salut!